Bon, ben, je vais d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et tous pour cette séance de séminaire que donc je vais co-animer avec Mara Magda Maftehi. Je supplée Dominique Viard qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc nous lui adressons tous nos voeux de prompt rétablissement. Alors Dominique, lors de la dernière séance du séminaire, avait présenté l'Observatoire, donc je vais simplement rapidement faire quelques rappels de cet observatoire des écritures contemporaines françaises et francophones, donc qui se propose de décrire et d'analyser le paysage critique des littératures présentes au carrefour de la narratologie, de la poétique et d'une démarche comparatiste, dans la mesure où il n'est pas question pour nous d'isoler les lettres françaises des développements des littératures mondiales et notamment des développements des littératures en langues européennes. Littérature europhone, que ce soit anglophone, hispanophone, lusophone ou néerlandophone. Alors, nos programmes de recherche, Dominique l'avait rappelé la dernière fois, sont soutenus par l'Institut universitaire de France et ils s'effectuent en relation étroite avec des chercheurs tant d'universités françaises qu'aussi de nombreuses universités étrangères, avec deux programmes plus généraux qui retiennent plus particulièrement notre attention en ce moment. D'abord, le projet de Dominique Viard, donc, qui concerne ce qu'il appelle les littératures de terrain, donc, qui procède d'un intérêt renouvelé pour la question du terrain dans les disciplines des humanités. Terrain étant entendu ici, littérature de terrain, comme une sorte d'équivalent de fieldwork en anglais. Donc, dans un contexte de circulation intense des savoirs et des théories, il s'interroge notamment sur les formes littéraires qui sont sollicitées et sur les types de terrains qui intéressent désormais les écrivains français et francophones actuels. Donc le terrain, pourrait-on dire, est conçu comme un lieu de partage, hein, et un lieu de rencontre entre la littérature et les sciences sociales, entre donc exigences anthropologiques et exigences intimes. C'est tel est le projet actuel de Dominique. Pour moi, mon projet concerne les littératures transatlantiques, c'est-à-dire les littératures de langues européennes qui unissent trois continents, donc l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, et également un projet sur les littératures francophones dans un contexte mondial, au sens où les littératures dites francophones constituent désormais l'un des plus grands espaces littéraires mondiaux dans une langue donnée. Et donc, c'est dans le cadre de cet observatoire et de ces recherches à la croisée des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales que nous rencontrons le projet donc, porté par Mara Magda Maftehi sur transhumanisme et posthumanisme, donc l'approche littéraire et philosophique. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui deux personnalités notoires, hein, un chercheur qui a beaucoup fait pour les liens entre université et psychanalyse, et puis une autrice, Isabelle Jarry, qui, depuis quelque temps, se concentre sur la littérature et la solitude, dirais-je, urbaine, la solitude moderne, et la littérature et les robots, puisque son dernier ouvrage, mais elle nous en parlera elle-même, magnifique aujourd'hui, concerne, comment dirais-je, et le récit des relations noué et puis dénoué entre un solitaire moderne et puis un robot, mais qui est un robot vraiment très original. Nous en reparlerons. Voilà. Et donc, je vais laisser le soin à Mara de présenter plus avant nos orateurs et le déroulement de cette séance du séminaire de l'Observatoire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à deux invités, Isabelle Jarry et Paul Laurenson, d'avoir accepté cette forme d'intervention virtuelle. Merci aussi aux participants qui se connectent aujourd'hui de plusieurs continents et de plusieurs pays. Nous désirons que ce séminaire soit un espace de libre échange entre les intellectuels intéressés par le transhumanisme et par le posthumanisme, sans qu'ils soient les prisonniers de ces deux phénomènes qui perpétuent les terminaisons à isme. Cette deuxième séance, pareille que la précédente, sera organisée en deux parties. Nous commençons tout d'abord par la conférence du professeur et psychanalyste Paul Laurenson, intitulée « Le fictionnement transhumaniste, la nostalgie du futur et son écriture prothétique ».
c'est la modalité de fictionnement du discours transhumaniste apologétique qui intéresse Paul Ransom. La relation entre la narration et la référence à la réalité. Nous procéderons ensuite au dialogue avec l'écrivaine Isabelle Jarry, qui répondra à des questions que Jean-Marc Moura et moi-même nous allons lui adresser. Chacune de ces deux sections sera suivie des questions de la part de vous, les participants. Juste quelques mots afin de présenter nos deux invités. Paul Ransom, que nous connaissons tous en tant que psychanalyste, s'intéresse aussi au transhumanisme. Il a organisé lui-même en 2019 à la Maison des sciences de l'homme un séminaire dédié au transhumanisme à l'épreuve de la psychanalyse. Il nous aidera aussi peut-être à psychanalyser la relation qu'un écrivain peut avoir avec ses personnages. Isabelle Jarry, écrivaine reconnue et d'une belle plume, est invitée aujourd'hui pour un dialogue autour de deux de ses romans, Magique aujourd'hui, publié aux éditions Gallimard en 2015, et Contre mes seuls ennemis, publié aux éditions Stock en 2009. Les deux romans relèvent de ce que j'ai appelé la fiction post-humaniste et qui trouve sa place entre la dystopie et la science-fiction, tout en étant indépendante comme forme littéraire. Comme beaucoup d'écrivains qui ont écrit à marge du transhumanisme, Isabelle Jarry s'intéresse aussi à la dystopie. Elle a d'ailleurs publié aux éditions Stock en 2003 l'ouvrage intitulé George Orwell, 100 ans d'anticipation, avant d'approcher la fiction post-humaniste qui s'installe, pour utiliser ces mots, dans un avenir proximal. Et pour témoigner que la fiction n'est pas indifférente à la recherche scientifique en définitive, je précise qu'Isabelle Jarry a un doctorat en biologie végétale, formation qui lui a été très utile dans la rédaction de son roman Contre Messieurs l'ennemi. Puisque le transhumanisme est un phénomène interdisciplinaire qui soulève des questions politiques, économiques, sociales, philosophiques, technologiques, cette articulation, nous la retrouvons aussi dans la fiction post-humaniste. Ceci montre encore une fois que la littérature n'est pas une activité artistique autonome. Merci à Paul Ransom et à Isabelle Jarry de nous faire part de leur découverte, de leur ressenti transhumaniste par leurs recherches respectives. Et je passe donc la parole à Paul Ransom. Oh, merci. Je vous remercie d'abord de votre aimable invitation et qui tombe à point, je pense, de la rencontre de nos intérêts différents, mais qui se rejoignent. Alors, j'ai bien compris d'emblée qu'il s'agissait de la problématique des écritures contemporaines. Et ça tombait bien pour moi, parce que c'est vrai que j'ai écrit pas mal, une demi-douzaine d'articles autour du transhumanisme. Pourquoi ? Parce qu'il me paraissait important, compte tenu de la place que prend ce qu'on peut appeler quand même l'idéologie transhumaniste, n'est-ce pas, dans le paysage contemporain, il me paraissait important, alors même que je n'avais pas d'affinité spéciale avec le transhumanisme, j'adopte une position critique, mais d'abord de lecture critique, c'est ce qui me paraît le plus important. Mais vous jugerez au fond de ce que je propose quant à cette lecture. Alors, pour moi, ça renvoie aussi à ma problématique de recherche très générale. Il y a quand même beaucoup de points d'intérêt pour moi, mais j'ai longtemps animé donc à l'Université Paris 7, devenue maintenant Université de Paris, un axe de recherche d'anthropologie psychanalytique. L'anthropologie psychanalytique, je n'ai pas trop longtemps m'attarder là-dessus, mais enfin, c'est montrer la fécondité du point de vue analytique, notamment freudien, pour comprendre le collectif et pas simplement donc, toute la dimension clinique qui est importante. Mais voilà, je fais actuellement un séminaire à la Maison des sciences de l'homme sur l'idée de catastrophe. Voilà, évidemment, c'est malheureusement à l'heure du jour, mais ça va assez loin quant à une théorie généralisée des catastrophes. Et c'est dans ce contexte que j'ai été frappé par cette question de l'écriture que vous me proposez, parce que, et c'est ce qui m'a permis de rédiger un article sur ce point, auquel je vais faire écho dans cet exposé, mais de façon un peu différente, bien sûr. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, se pose la question du contenu, certes, de ce que disent les transhumanistes, courant né à Los Angeles, n'est-ce pas, qui est un courant qui ensuite s'est mondialisé, qui a pris une emprise très importante sur la thématique et la rhétorique, parce que c'est aussi une rhétorique. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le contenu, notamment sur l'homme prothétique, sur le contenu de ce qui était dit, que je vais bien sûr évoquer.
Au fond, vous me donnez l'occasion, n'est-ce pas, de revenir à cette question qui m'interroge aussi, sur laquelle je vais parler pour la première fois, c'est-à-dire le rapport à l'écriture. Parce que le transhumanisme se présente comme un récit, n'est-ce pas, et un récit ou une narrativité. Hein. Cette narrativité, c'est de présenter en même temps quelque chose qui est en train d'arriver. L'idée fondamentale du transhumanisme, hein, c'est de dire que nous sommes rentrés dans une ère nouvelle. On est vraiment dans une généalogie des prépositions, hein, trans, hyper, post. Bon. Et donc, le message en substance, pour le rappeler à tout le monde, la bonne nouvelle, quoique cet évangélisme soit très loin de la religion, je vais expliquer pourquoi, c'est que tout ce qui grève l'homme, saisit en sa réalité corporelle, la souffrance, le handicap, le vieillissement, la maladie, tout ce qui est aussi du point de vue analytique et traces de castration, mais je reviendrai sur ce gros mot. Bref, l'être pour la mort, pour parler comme Heidegger, eh bien, tout ça se doit d'être dépassé et repensé à la lueur de la dynamique même des technologies corporelles contemporaines, de remédiation et de reconstruction. Voilà. Donc, il y a la rencontre entre, d'une part, une évolution effective de la médecine scientifique, très importante à considérer, de la biotechnologie, mais aussi de ce discours qui, par un effet idéologique, car au fond l'idéologie se greffe toujours sur la science, hein, produit une relecture anthropologique, hein, consistant à annoncer l'évangile de l'homme prothétique, je vais expliquer pourquoi, qui est noté un peu par le logo H+. Désormais, on va avoir affaire à un homme, pas dans la continuité du progrès des Lumières, mais fondamentalement dépassé par ses propres progrès. D'ailleurs, entre parenthèses, ayant travaillé bien entendu sur la catastrophe pandémique, aussi du point de vue analytique et sociologique, eh bien, je pense que le transhumanisme serait extrêmement gêné par l'irruption du réel de la catastrophe, car pour lui, on a une continuité en quelque sorte triomphale, mais je reviendrai peut-être sur le point tout à l'heure. Voilà en gros le message transhumaniste. On comprend qu'il a un certain succès, puisqu'au fond, il nous promet d'être guéri de tous nos manques. Voilà. La science de l'homme, c'est la science de ce qui manque à l'homme, c'est une formule. Ben non, pas pour eux. De certaine manière, la science de l'homme montre un idéal de complétude. Voilà. Mais la question que je voulais poser spécifiquement, en quoi ça peut être utile pour une problématique de l'écriture contemporaine, c'est précisément qu'il constate et il raconte. Et ce n'est pas la même chose. Mais tout l'effet idéologique, ça consiste à dire que ce qu'il raconte, c'est ce qui se passe. Car indéniablement, tout le génie génétique, toutes les biotechnologies, toutes les banques de données, tous les big data, hein, tout ça est effectif. Seulement, eux y ajoutent un commentaire anthropologique qui annonce, par un mélange, non pas d'une science-fiction, mais alors voyez comment on peut prendre science-fiction, c'est fictionner la science. Voilà. Je pense que c'est une question qui est, si j'ai bien compris, un axe aussi de discussion possible avec Isabelle. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, je me place du point de vue du transhumanisme. La question évoquée dès l'introduction, n'est-ce pas, de l'utopie et la dystopie est déjà là, d'une certaine façon, quoique ce ne soit pas leur terme. Car l'utopie, depuis Thomas More, c'est précisément la programmation fictionnelle du meilleur. Et puis, naturellement, on a toute une série, un genre nouveau, une dystopie. D'ailleurs, le terme se trouve chez John Stuart Mill déjà en 1868, de façon avec une autre acception. Voilà, on nous présente des utopies du pire, bien sûr, de Huxley à Orwell. Et ça m'a paru du coup intéressant, en réfléchissant là-dessus, en rapport avec l'écriture contemporaine, n'est-ce pas, d'essayer de comprendre le rapport entre les deux, hein. Parce que, d'une certaine façon, le transhumanisme tend un piège particulier, c'est de dire, nous, on vous parle de la réalité, voilà. On vous parle de la réalité en tant que telle. L'homme est devenu transhumain, mais il ne l'a pas réalisé. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement des progrès. C'est tout, je n'ai peut-être pas le temps de le développer, mais tout le modèle évolutionniste lui-même de Darwin Spencer, c'est surtout Herbert Spencer qui a développé l'évolutionnisme pour l'évolution, lui-même est dépassé par un transévolutionnisme. C'est intéressant de savoir que Julian Huxley, le frère de Aldous, hein, a écrit un texte où il a employé déjà le mot transhumanisme, hein, mais pas dans le même sens. Bref, il y a quand même quelque chose dans l'écriture contemporaine qui pousse à ce signifiant. Voilà. C'est ça qui me paraît intéressant de considérer.
avec, disons-le, un sophisme qui consiste à tirer certaines conséquences anthropologiques de ce qui est une évolution dans le réel. Ce qui fait qu'on a dans le transhumanisme, je dirais, un mélange extraordinaire, fascinant son genre, quoi qu'on en ait peut-être assez vite épuisé les ressources, il me semble, enfin, mais consistant, n'est-ce pas, à imaginariser. Et ça me paraît très important. Parce que la fiction, c'est l'imaginaire, mais plus la fiction est forte et a une valeur de vérité, plus il est important de fictionner le réel. Des idéologies imaginarisent le réel. Donc, c'est un point important. Voilà, j'aurai l'occasion peut-être de le repréciser. Alors, bien sûr, le post-humanisme n'est pas là, c'est pas exactement dans mon thème, dans ma thématique de recherche, mais les post-humanistes ont des théoriciens de grand format, enfin, Foucault et les autres. Hein. Les post-humanistes aussi écrivent, d'une certaine façon. Foucault est un grand écrivain, hein, voilà. Et en effet, voilà, depuis le milieu des choses, l'histoire de la folie, on voit ce grand récit de l'effacement de l'image de l'homme sur le sable, hein, de la postmodernité. Hein. Les idéologues, sans jugement de valeur particulière, mais les idéologues des transhumanistes n'ont pas toujours la carrure philosophique qu'ont les représentants des posthumanistes. C'est quand même important là, de le dire. Hein. Mais ce n'est pas le problème. Là où Foucault a des instruments philosophiques, il fait une archéologie du savoir, il fait une généalogie du savoir, d'ailleurs dans une perspective néo-nietzschéenne, eh bien là, ces idéologues, il y a quelqu'un qui est intéressant d'ailleurs parmi eux, qui est Max Mohr. Et Max Mohr, qui a une étoffe philosophique, en même temps finit par corriger l'entropie, tout simplement. Et ils sont gênés par l'entropie, parce que l'entropie, c'est la dégradation de l'énergie de l'univers, ça ne se voit pas, voilà. Tandis que lui postule une extropie pour montrer que l'homme est entré, d'ailleurs, parce qu'en même temps, on nous parle de l'anthropocène, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire un moment géologique qui serait humanisé. C'est très curieux parce que ce post-humanisme, ce transhumanisme, est en même temps un déchaînement de la potentialité de l'homme. C'est un super-humanisme, d'une certaine manière. Au fur et à mesure, on l'examine comme ça, ben, je dirais que ça permet aussi de montrer que c'est intéressant, il est même, dans une certaine mesure, incontournable. Alors, je me suis dit, sans faire de la textologie, hein, je me suis dit, comment est-ce qu'ils s'y prennent, n'est-ce pas, pour narrer quelque chose qui existe bien, mais qui, en même temps, produit une sorte de supplément de sens, n'est-ce pas, qui les amène à conclure dans une sorte de prophétisme, un prophétisme totalement asymbolique, hein. Je m'étais amusé à comparer le golem biblique avec l'homme prothétique transhumaniste. Effectivement, le thème de la machine et de la machine humaine a hanté tout l'imaginaire longtemps avant le transhumanisme. Mais pour eux, tout ce qui est de l'ordre du symbolique, je veux dire des rapports de langage, du rapport au manque, hein, tout ça, c'est pour le dire trivialement, has-been. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la psychanalyse n'est même pas critiquée, elle est balayée, comme toutes les manifestations qui pensent un certain rapport à l'homme, y compris d'ailleurs la religion, les religions historiques, l'éthique. Non, eux diraient plutôt qu'on est rentré dans l'anthropotechnique, c'est un terme de Sloterdijk, hein, qui est un commentateur hein, des transhumanistes. Donc, c'est un point extrêmement important. Rien que l'idée d'un transfert et d'une relation symbolique autonome est balayée par ce qu'on peut appeler l'homme-machine. J'avais fait il y a longtemps une édition critique du texte de Lamétrie, l'homme-machine au XVIIIe siècle, ce n'était pas du tout le même machinisme. Hein. C'était un rapport au corps et à la jouissance. Hein. Là, l'idéal, c'est le prothétique. Voilà. Il est extrêmement curieux de voir que le créateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, a parlé des prothèses à un certain moment, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Il a noté déjà, on en était très loin, hein, de l'expansion des machines. Enfin, c'était en 1930, il a bien dit que l'homme était en train de devenir un prothesengott, un dieu prothétique. Lui, d'ailleurs, n'était pas contre, sauf qu'il montrait qu'en même temps, le corps a beaucoup de mal à s'adapter à la prothèse et que les promesses de ce côté-là sont largement surestimées. C'est curieux, hein, comme résonance, surtout, si je peux dire, dans l'après-coup de ce que le transhumanisme en a fait. Voilà. Alors, comment le dire de façon synthétique, évidemment contrairement aux évangiles révélés, si je peux dire, cet évangile ne parle plus, en quoi c'est soulageant d'ailleurs, de culpabilité, de péché, de rapport à la loi. C'est plutôt vive la prothèse. Voilà.
La prothèse, c'est une pièce, un appareil destiné à reproduire aussi fidèlement que possible, d'après la définition lexicographique, un fragment de membre ou un organe. Il y a des questions très concrètes et douloureuses qui ont posé cette question, à travers notamment ces nourrissons qui naissent avec une difformité, un arrêt de croissance. On a même des nourrissons donc prothétisés. Il ne s'agit pas du tout de dire que la prothèse, qui peut être extrêmement utile, est forcément condamnée à l'idéologie, mais elle l'est dans le prothésisme. On a affaire à un homme, donc, une sorte de prophétisme sans symbole, sans symbolisme, prothétique. Voilà. Et évidemment, ça renvoie à la robotisation. Ça renvoie à la question de la robotisation. Et de ce point de vue-là, tout l'effort, donc, vous voyez ce qui va se passer à partir de là. Cette conjoncture. L'effort des transhumanistes, je dirais d'ailleurs qu'il y a plusieurs rameaux, bien sûr, différents des transhumanistes. Il n'empêche qu'on a, on peut dire, ça se regroupe autour de H+, il y a même un mouvement néo-humanitas, néo-humanitas qui paraîtrait comme ça, presque papal, enfin, néo-humanitas, mais c'est amusant que ce courant hyper-moderne utilise la langue morte qui est le latin. Alors, moi, ce qui m'a dit, je me suis toujours intéressé de très près, je parlais de mon trajet, mais enfin, effectivement, à l'histoire des idées en soi. Mais la psychanalyse a aussi quelque chose à dire, me semble-t-il, de très précis. Ma première publication au CNRS sur cette question, dans un recueil, c'était « Que veut le transhumaniste ? Qu'est-ce qu'il veut ? Quel est le fantasme qui en est le moteur ?» Non pas, j'y insiste chaque fois, pour psychologiser au moyen de la psychanalyse, n'est-ce pas, des phénomènes sociaux, ce n'est pas ça du tout, mais c'est plutôt pour essayer de comprendre que veut ce discours. Car l'idéologie veut, au fond, c'est l'inconscient de l'idéologie, elle veut nous mener quelque part. Donc une lecture critique, ça ne veut pas dire refuser d'emblée. On a aussi à comprendre pourquoi cette pensée a un ascendant aussi puissant. Comme si les lecteurs fermaient les yeux sur le contexte pour en venir à cette idée que voilà, c'est on va guérir, il y a le vieux thème de la longévité qui réapparaît. Voilà. Alors, dans ce contexte, une expression, une belle expression, je trouve, m'a frappé chez l'un des représentants du transhumanisme, c'est l'expression de nostalgie du futur. L'auteur de cette formule, c'est une personnalité intéressante, étrange, qui est à la fois essayiste. C'est un Iranien qui est à la fois essayiste, philosophe, qui est même a été presque champion olympique à un moment donné. C'est un personnage tout à fait particulier. Comme s'il fallait que la question du corps se pose comme ça. Voilà. Nommé Fereydoun M. Esfandiari, qui a changé de nom pour s'appeler FM, c'est-à-dire Fereydoun Esfandiari, 2030. C'est extrêmement intéressant d'échanger son nom propre contre un chiffre. Voilà. Mais, parce que 2030, pour lui, c'est comme dans toutes les utopies, effectivement, en quelque sorte, le chiffre où on... Tout, 1984, 2030, voilà. Et le chiffre ne cesse de reculer, bien sûr. C'est un visionnaire de la révolution numérique. Voilà. C'est intéressant de parler, si j'avais le temps, de Steve Jobs, créateur, n'est-ce pas, du Macintosh, qui lui-même avait des affinités... Je le dis en passant, enfin, je ne vais pas bombarder un diagnostic, mais qui est indéniablement de structure psychotique, génial, voilà, qui effectivement se servait d'ailleurs du Macintosh, comme son rêve de Steve Jobs, c'est de créer un foyer numérique, que la famille soit remplacée par le foyer numérique. Oui. Bon. J'avais dans un séminaire raconté l'histoire de Steve Jobs pour illustrer ce qui se passe. Je suis loin de réduire la question à la psychopathologie. Je constate simplement que la révolution numérique est animée par des psychotiques de génie, d'une certaine manière. Turing, par exemple, sans lequel l'informatique aurait été impossible. Steve Jobs, etc. Il y a un décalage extrêmement intéressant. C'est pour ça que la psychanalyse doit suivre et peut aider. Voilà, on n'est plus dans une problématique, névrotique, mais plutôt dans une problématique où il y a un génie des machines. Voilà, je ne peux qu'être allusif, mais j'y reviendrai, si vous voulez, dans la discussion. Voilà. Donc, ça commence à ressembler à un roman d'anticipation.
D'ailleurs, certains ont été intéressés par le roman d'anticipation. Et c'est important, c'est peut-être aussi un thème de discussion pour tout à l'heure, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la fiction, là, s'impose. Elle s'impose. Sauf que leur roman d'anticipation se veut hyper réaliste. Donc, la nostalgie, ai-je besoin de le dire, c'est ce qui va vers le passé. Or, il nous présente une nostalgie du futur. Il dit, n'est-ce pas, qu'il n'est pas du XXe siècle, puisque bon, il écrivait dans le dernier quart du XXe siècle, mais qu'il est du XXIe siècle déjà, voyez, avec un sentiment profond, subjectif, chez certains transhumanistes, d'être dans un décalage temporaire, hein, temporel plutôt. Ils ont cette idée qu'on est déjà en avant, mais eux seuls le savent, comme avant-garde éclairée, bien sûr. Et il se tourne vers l'opinion publique pour lui dire « Mais vous n'êtes déjà plus des hommes, vous êtes au courant hein ?» Vous n'êtes plus des hommes au sens strict, mais au contraire, c'est le retour du futur dans le présent. Il y a toutes sortes, bien sûr, depuis Terminator, etc. Ce thème-là est apparu, et ce n'est pas un hasard, sur le cinéma et une certaine littérature d'anticipation où on anticipait de plus le transhumanisme. Mais les transhumanistes ne se veulent pas des romanciers. Bon. Ils se veulent des prophètes du réel. Voilà. Donc, à la limite, ils ne sont pas de leur temps. C'est déjà, comme c'est dans certains films d'anticipation, n'est-ce pas, des gens qui sont déjà dans le futur, alors que nous restons attardés dans le cours de l'histoire, de telle sorte qu'ils veulent nous réveiller. Hein, ce que j'ai appelé un métamorphisme anthropologique. Voilà. Alors, du coup, c'est intéressant, me semble-t-il, avec les ressources de l'écriture, ce qu'eux ne font pas, de voir dans quelle mesure ils nous présentent à la fois une utopie, mais ce n'est plus l'utopie humaniste, depuis Thomas More, bien sûr, hein, jusqu'à enfin, toutes les formes d'utopie qui construisent un futur rationnel. C'est un moment très important de la pensée politique, d'ailleurs, puisque désormais, on ne décrit pas plus ce qui est, mais ce qui doit être. Bon, donc, un art de la fiction politique, hein. C'est pas une utopie, puisque c'est déjà arrivé, c'est en train d'arriver. Et en même temps, c'est pas assez arrivé, et c'est pour ça qu'ils doivent intervenir. Bon. Et évidemment, on peut craindre que ça ait l'aspect tel qu'elle est décrite, quand on rentre dans l'utopie, qu'elle ressemble fort à une dystopie. Mais eux ne sont pas du tout cet avis. Hein. Très, très important de comparer les Lumières qui pensent qu'il y a le progrès parce qu'il y a une finitude. C'est parce qu'il y a une finitude qui vaut l'assumer, tandis que nous postulons une infinitude hein, qui fait que nous roulons sans fin vers un X. Enfin, il y a une belle métaphore de Nietzsche qui dit depuis la révolution copernicienne, c'est pas que la Terre n'est pas au centre du monde, etc. C'est que depuis Copernic et depuis Galilée, n'est-ce pas, nous roulons sans fin vers un X. Bon, et bien c'est ce que veulent faire les... Donc c'est une sorte de chaos temporaire qui apparaît, puisque les trois dimensions temporelles se mélangent. Ouais. Vous voyez apparaître nécessairement, si je le fais encore une fois, ce n'est pas pour psychanalyser, mais ce qu'ils veulent exactement. Hein, d'une certaine manière, eux ne peuvent pas le dire véritablement. Dans la mesure où ils sont emportés par leur propre projet. C'est ça l'idéologie. Il y a comme une écriture du futur absolu. Je trouve quelque chose d'assez original. Le paradoxe, qu'on pourrait appeler oxymorique, hein, c'est de présenter le futur, n'est-ce pas, comme quelque chose qui fait l'objet d'une nostalgie intarissable, d'une certaine façon. Et je pense vraiment que ce sont des sujets qui ressentent, à titre individuel, il me semble, hein, je me permets là de parler un moment en tant qu'analyste, qui ressentent très cruellement, n'est-ce pas, que ils sont incomplets, décomplétés d'un futur magnifique dont le présent est gros, hein, mais qui n'est pas encore là, eux le voient. Ce qui fait qu'indéniablement, ce discours très positif, très détaillé, côtoie le délire. Voyons en quel sens. Hein, le délire en ce sens qu'il y a l'idée d'une reconstruction du futur. Hein. Voilà. C'est comme s'il fallait lever le refoulement du futur par une tendance qu'ils estiment passéiste. Je le reconstruis par ma lecture de façon plus systématique même qu'il n'est, n'est-ce pas ? Bon, c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail de commentaire. Hein. Donc, le discours transhumaniste glisse entre un avenir
qui a déjà commencé, qui est méconnu, ce qui les fait presque souffrir. Moi-même, ils sont amenés forcément, parce que moi j'ai entendu, quand on va du transhumanisme, il y a régulièrement un ou deux transhumanistes qui interviennent. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en discuter, mais c'est très difficile de discuter avec un transhumaniste, me semble-t-il, souvent qui disent des choses intéressantes, mais qui sont dans la conviction. Vous ne voyez donc pas. Bon, hein. Forcément, tôt ou tard, je me rappelle d'un transhumaniste, je ne savais pas son nom, un sympathisant, qui disait, messieurs qui critiquaient le transhumanisme, une question. S'il arrive un gouvernement qui inscrit au programme le transhumanisme, que faites-vous? Et alors là, on voit surgir le discours du maître, hein, discours du maître au sens politique. Donc l'idée, c'est quand même de trouver, pour ces utopistes, n'est-ce pas, un pouvoir, mais on peut se demander quel genre de pouvoir? Quel genre de pouvoir? Est-ce qu'il faudrait un totalitarisme éclairé? Est-ce qu'il faudrait une super démocratie? On pourrait dire que ça ne va pas. L'essentiel, c'est que le transhumanisme soit plus. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, un démarchage des universités, par exemple, pour présenter des organes en 3D, etc. Des choses dont on ne sait plus si ça parle plus à l'imaginaire ou à la réalité. Mais ce n'est pas ça, le réel. Le savant, ce n'est pas ça. Un physicien, il se règle sur le réel, c'est ce qui est fascinant. L'astrophysique, c'est colossal. Quand on voit ce que c'est qu'un trou noir, c'est colossal. Mais il y a des coordonnées dans le réel qui sont démontrées. Ici, au contraire, on a une sorte de, plus qu'un scientisme, un post-scientisme, qui fait que d'abord, il y a un embrigadement derrière. Hein. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, qui se dessine dans ce fictionnement transhumaniste, ou en même temps ce fonctionnement, n'est-ce pas, en tant que récit. Voilà. Ça serait intéressant de voir que peut-être c'est quelque chose d'autre. Voilà. Ça renouvelle un peu la réflexion sur les genres. Utopie, il y aurait un utopisme, quoique, on en parlait avec Isabelle, bon, effectivement, Thomas More parle à la fois d'utopie et d'utopie, il joue probablement sur les mots, hein, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette aspiration féroce au futur, vous voyez? C'est là où un regard ou une écoute analytique peut être utile, parce que quand on voit un sujet insister tellement là-dessus, on se pose évidemment des questions sur ce qui est en jeu, hein. Le roman d'anticipation est sans arrêt rempli. Hein. Et donc, il y a une masse d'informations, d'ailleurs parfois discutables, hein, mais qui sont données à titre de l'impératif de réalisation du futur, coûte que coûte. Voilà. Alors, c'est un point très intéressant, parce que du coup, quoi qu'on pense des transhumanistes, ils sont tout à fait représentatifs, symptomatiquement, d'une certaine tendance de la réalité. Hein. Il y a très peu de médecins qui... ou biologistes qui ont des sympathies transhumanistes, hein, enfin bon, il faudrait voir de plus près, hein. Donc ça n'engage pas du tout le corps scientifique, mais ça engage, n'est-ce pas, ce désir, il faut bien dire. Hein, voilà. Et du coup, ils font des biotechnologies de tous les instruments de progrès, eh bien, un boulevard vers le futur. Voilà. Mais alors, il y a un ordre de marche qui discrètement s'installe, hein, voilà. Sloterdijk, qui a une position ambiguë, parce qu'il a une position au fond quand même très proche du transhumanisme, en même temps il essaie de comprendre comment ça fonctionne aussi. Il parle dans un texte qui a eu une certaine résonance de parc humain. C'est-à-dire que dès lors, l'homme, alors que l'homme humaniste était dans l'éducation, hein, l'homme doit s'élever lui-même. S'élever, pas l'éducation, mais l'élevage. Voilà, l'élevage. Hein. Évidemment, on ne parle pas d'eugénisme totalitaire, mais quand même, il y a cette idée que l'homme est en train d'élever l'homme, et au fond, l'homme comme sujet disparaît. Quand je dis ça, ce n'est pas pour avoir quelque nostalgie de ce que serait l'homme authentique, ça c'est une autre question. Mais de fait, n'est-ce pas, on a un élevage qui... supposez maintenant qu'il arrive un maître qui garantisse la réalisation du programme, sont-ils preneurs? En tout cas, ça serait tentant. Ce génial... vraiment génial lecteur de la modernité qui est Tocqueville, qu'on a longtemps maintenu dans une position d'une sorte de néolibéralisme, qui cherche le désir de la modernité, eh bien, il parle de cette souveraineté douce qui caractérise la modernité. Avant, on avait la souveraineté stricte, hein, on a la souveraineté douce avec le contrôle du plaisir, hein, qui fait que l'état de la modernité se met au service, le discours du maître se met au service du plaisir demandé du peuple. Voilà. Mais d'une certaine manière, le transhumanisme se place de son point de vue. Enfin, il dicte
comment il faut jouir, voilà. Comment doit jouir l'homme du futur. Or, on sait très bien, et je ne veux surtout pas faire d'un fait divers transgénique le moindre argument, mais ce que j'appelle depuis l'effet Pistorius, notamment ces athlètes remarquables, enfin, qui arrivent à partir d'un handicap à performer, à faire des exploits, qui est devenu un héros transhumaniste, peut-être malgré lui. On voit bien qu'à un certain moment, quand se pose la question du corps, de la pulsion, du désir, du rapport à l'autre, ça peut déboucher sur quelque chose qui, ou quand j'y viens à la citation de Freud, le rapport entre la prothèse et le corps pose problème. Pas du tout pour freiner le bénéfice de la prothèse, qui peut être une bénédiction pour certains sujets, mais pour poser la question. Alors, juste très, très rapidement. Donc, voilà ce que je lis, je tombe là-dessus dans ma culture, enfin je connais ce passage. Mais l'homme est pour ainsi dire, 1930, l'homme est pour ainsi dire devenu une sorte de dieu prophétique vraiment grandiose quand il revêt tous ses organes adjuvants. Mais après, vous voyez, ça sera avec l'acier, etc. C'est des choses qui sont très loin de ce qui se passe plus tard. Enfin, mais c'est pour ajouter que l'homme a bien du mal à faire corps avec ses prothèses. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les organes supplémentaires, adjuvants, ne font pas corps avec lui, lui donnent à l'occasion encore beaucoup de mal. Voilà. Donc, Freud n'est pas, comment dire, il n'est pas misonéiste. Il ne pense pas que le futur est comment dire, dangereux, mais il constate qu'il y a une juste un mot. Hein. Enfin, entre le malaise de culture et ce scientisme qui déforme la science. Lui-même, Freud, se maintient comme vraiment comme dans la science. Il veut une science de l'inconscience. Vaste question, bien sûr. Enfin. Voilà. On voit que c'est ce qu'il appelle une Weltanschauung, enfin, un terme déjà employé avant lui, c'est-à-dire une vision du monde, une construction intellectuelle. C'est ça l'idéologie. C'est une construction du monde où tout a sa place. Et l'idée, c'est de trouver la bonne forme de satisfaction. Et lors, par exemple, une pratique comme l'analyse qui essaye de faire droit à la souffrance un par un pour les sujets, et montrer pourquoi les sujets humains s'embarrassent toujours du côté du sexuel, du côté de la loi, du désir, c'est quelque chose qui disparaît, qui est rayé du paysage. Voilà. Même de la simple préoccupation. Hein. Je me rappelle d'ailleurs qu'un jeune transhumaniste de talent, d'ailleurs, avait dit après un exposé psychologique, mais vous aussi, vous avez des prothèses. Votre inconscience est une prothèse. Voyez l'ambiguïté. C'est malin. Hein. Mais ce n'est pas le problème. Naturellement, il faut voir le fictionnalisme. Et bon, je n'ai pas le temps de le développer. Je le fais dans l'examen de l'épistémologie freudienne. Mais oui, tout savoir a besoin, bien sûr, de fiction. En tout cas, à titre d'information, Freud avait une antipathie très forte pour le philosophe du fictionnalisme qui s'appelait Weininger. Hein. Voyez, ces philosophies du comme-si qui passent de l'idée qu'on a besoin de fiction provisoire pour progresser à l'idée d'un comme-si généralisé. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Une écriture du fictionnalisme et la différence qu'on peut faire entre une fiction de réel, parce qu'il faut toujours en être pour la fiction, à un fictionnalisme idéologique. Ça, je trouve que c'est un point important et difficile. Dès lors, cet hypermodernisme produit des mécanismes hyper archaïques. On voit ressurgir, n'est-ce pas, avec son habit de lumière, le héros prothétique, celui qui est d'une santé constante et florissante. Mais qui rejoint, c'est pour ça qu'il ne suffit pas de critiquer le transhumanisme, qui rejoint le fait que la santé est devenue le souverain bien, d'une certaine façon. Et bien sûr, on tient à sa santé. Et bien entendu, c'est tout à fait sain de penser à sa santé, mais l'idéologie ajoute toujours quelque chose, n'est-ce pas? C'est qu'elle veut nous débarrasser de toute la maladie qu'il n'aurait pas fallu avoir. Mais qu'est-ce que c'est qu'une névrose, par exemple? Ce n'est pas une maladie qu'il n'aurait pas dû avoir, c'est une solution qu'on a donnée à un certain moment, un conflit de nature symbolique. Ça me permettrait de ne pas développer, mais bon, c'est... On a l'occasion de le faire dans la discussion. Là,
je pourrais le préciser. Mais, enfin, donc, Freud a toujours dit que ce n'est pas un inconvénient, la névrose. C'est différent de la psychiatrie. C'est quelque chose, une formation signifiante que j'ai produite, faute de mieux. La meilleure façon de respecter le sujet, c'est de dire qu'ils n'ont pas... Maintenant, on a droit. On a droit, on peut. Non, c'est le sujet lui-même, oui, a droit à son symptôme, mais on comprend que tous ces problèmes intimes que nous pouvons avoir disparaissent du paysage. Voilà. Une économie pour le coût social. Bon. Voilà. Donc, d'où le fantasme d'un artifexe que j'appelle un artifexe, c'est-à-dire un terminator, un cyborg, voilà. L'idéal cyborgien. C'est pour ça que ça m'a, disons, amusé de comparer ça avec le golem. Dans le judaïsme, le golem est aussi une machine. Lui aussi, l'idéal machinique apparaît, mais il a, dans la conception biblique, il a sur lui des lettres, il y a du langage. C'est une machine à langage. Là où, alors, il faudrait reparler de l'intelligence artificielle, et ça, mais en les distinguant bien de la réalité du progrès et de la réflexion, de recherche avec des vrais chercheurs, de ce récit. Voilà. De ce qu'on peut appeler le récit transhumaniste. Un seul exemple, que devient la famille comme foyer d'identification, de conflit, hein ? Le sujet se construit dans la famille. En fait, évidemment, on a aussi toutes les crises, l'évolution des idéaux familiaux, la question du père, etc. Toutes ces questions apparaissent comme appartenant à l'Ancien Régime, mais du même mouvement d'ailleurs, toutes les religions... en tant qu'elle pose des questions qui sont vraiment de l'ordre du symbolique, et mis entre parenthèses. On est vraiment dans un effet presque forclusif. C'est ça qui me paraît le plus dangereux. Voilà. Donc, je conclue, je vais vraiment essayer de faire une synthèse relativement rapide, j'espère pouvoir le préciser par la discussion. Voilà. Le récit transhumaniste... ce que j'avais montré dans l'article, il est pétri de contradictions. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un héros revêtu d'une armure prothétique. Freud dit qu'il vise la ressemblance avec Dieu. Bon. Là, il ne parle pas encore, bien sûr, des transhumanistes. Mais en même temps, c'est un Dieu du semblant. Je ne dis pas du faux semblant, hein, mais vraiment du semblant. On pourrait comparer Hercule, le héros invincible de la mythologie grecque, avec Terminator. Terminator n'a pas de manque, à un certain moment il a des pannes, c'est différent. Hein, vous savez comment finit Hercule, c'est-à-dire lui qui a fait les 12 travaux incroyables, il finit carbonisé par une crise de jalousie qui fait qu'on lui donne, d'ailleurs une fausse accusation, peu importe, mais on lui donne cette tunique qui va carburer son corps, où il souffre tellement, le héros, qu'il est obligé de se brûler. Tous les mythes, tous les grands textes font la place au manque. Maintenant il y a une chasse au manque, hein. Encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir, nous, d'idéaliser le manque. C'est pour dire que toute la question du désir renvoie à ça, hein, et on renvoie à cette dimension. C'est pour ça qu'il ne faut pas régler trop vite la question de la religion. Pour Freud, la religion est indéniablement une illusion dans sa perspective. Mais il n'empêche que la religion a posé, elle a hébergé les questions symboliques. Ce qui fait que du passé faisons table rase, on ne le trouve plus dans l'international communiste, mais dans le discours... transhumaniste. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais de ce point de vue-là, eh bien, je pose quand même une question finale. Le post-humanisme a passé son temps à dire, avec des éléments intéressants, forts, qu'on n'est plus dans le règne de l'homme. Mais est-ce que le post-humanisme n'a pas eu comme effet, dont il n'est pas responsable, mais comme dégât collatéral, d'accréditer des idéologies de ce genre. Puisqu'à force de dire que l'homme n'est pas au rendez-vous, au lieu de tenir compte de ce que ça implique, quelqu'un comme Lacan, psychanalyste, avait un côté un post-humaniste, hein, c'est pas le moment de développer ça, eh bien, comment elle entend l'idéologie ? Vous avez raison, le post-humanisme a raison, donc créons un nouvel homme. Lyotard passe son temps à dire « il n'y a plus de discours légitime ». Vous avez raison. Produisant un discours qui ne vous condamne pas à la dépression post-humaniste, mais qui vous ouvre les voies d'un règne nouveau, d'une nouvelle alliance. Enfin, il y a des choses qui bouillonnent. Vous voyez, voilà.
derrière, mais je ne veux pas trop le développer parce qu'il faudrait parler ce que c'est que la castration symbolique en psychanalyse, mais en gros, cette idée que l'anthropologie du manque, c'est que le sujet avance par le manque, par la séparation. C'est peut-être pas positif, mais c'est comme ça. Et c'est en faisant quelque chose de ce manque qu'il peut effectivement réaliser quelque chose, de vivre un peu plus conformément à sa vérité psychique, pour le dire de façon vraiment très basique. Hein. Voilà. La castration est barrée. Et c'est ça qui fait la popularité, il me semble. Hein. Ça, c'est une question beaucoup plus générale. Des idéologies, c'est qu'elles promettent d'exempter du manque. Voilà. Voilà. D'où un néo-fétichisme technologique qui est toujours un bouche-trou, n'est-ce pas ? Chaque fois que le sujet va avoir un manque, parce que la castration, le vécu de la castration, ce n'est pas la crainte de la mutilation génitale, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, ça veut bien dire. Mais quand l'enfant a peur du père castrateur, ce n'est pas ça. Hein. C'est que d'une certaine manière, il est dans cette question du manque, du désir qui peut être culpabilisé, sanctionné, etc. Il serait intéressant de voir comment la culpabilité évolue avec le changement familial. C'est un autre terrain. Mais, n'est-ce pas, le fétiche prothétique instaure un néo-fétichisme technologique, voilà, qui vient du coup au secours du manque. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de prothèse contre la castration. C'est un fait. Mais naturellement, la psychanalyse fait en sorte, elle essaye, ce n'est pas une simple technique, essaye d'empêcher le sujet de s'enfoncer dans ce manque nocif. Donc, l'optimisme béat, on peut dire, qui rime mal avec nos temps de catastrophe, d'ailleurs. J'y repensais, parce qu'en un mot, n'est-ce pas, c'est pas une pensée du réel. La castration, n'est-ce pas, est barrée comme symbolique, mais quand brusquement on y est, c'est intéressant, la catastrophe pandémique, vous voyez comment dire, elle fait naître une régression immédiate, hein, une pensée animiste, etc., à l'ère de la science. On voit très bien que le virus est démonisé, tout ça va finir avec le vaccin, heureusement, enfin, ça, c'est formidable, la médecine scientifique est formidable, c'est pas le problème. Mais elle n'a pas mérité d'être utilisée dans le sens d'une mutilation anthropologique. Voilà. Moi, je vais jusqu'à dire que c'est une mutation anthropologique, mais la polémique n'est pas intéressante. C'est intéressant de voir dans quelle mesure le transhumanisme, l'écriture transhumaniste, et il aurait été possible à partir de là de montrer dans le détail de l'écriture transhumaniste comment ça se manifeste. Si on pensait que c'était vraiment intéressant, il me paraît en tout cas important de désigner le problème. Hein. Cette écriture transhumaniste, d'une certaine manière, elle est un déni du réel. Hein. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est réel et qui ne rentre pas dans la bonne forme de satisfaction, mais qui en plus, enfin, elle est totalisante, et doit être barrée. On a donc un effet fort clusif, hein, qui fait que tout ce par quoi l'être de langage s'exprime. Encore une fois, ce n'est pas une magnification du manque, hein, parce qu'il y a aussi cette tendance, parfois, dans l'utilisation de la psychanalyse. Hein. Ce n'est pas ça. C'est le fait que c'est pas l'homme... Alors, vous voyez, post-trans... moi, l'hypothèse de... J'ai eu un trajet assez long et transdisciplinaire. Ce qui, pour moi, a fait que la psychanalyse résiste, c'est qu'elle a fait place au manque. Voilà. Toujours très intéressé, à un moment donné, par la pensée de Marx, et il y a des choses extrêmement importantes. Marx est un génial clinicien du capitalisme. Génial. Bon. Mais on sait bien que l'échec historique du communisme, qui n'a rien à voir avec la pensée de Marx, en fait, voilà, tout ça oblige à penser à quoi ? La fin des idéologies. Vous voyez le thème de la fin des idéologies, qui est aussi un thème assez idéologique. Hein. Mais dans la même perspective qu'on parle de la fin de la psychanalyse. Bon. La psychanalyse gêne, parce qu'elle rappelle le manque. Voilà. D'où d'ailleurs cette haine qui... par moment, il faut bien cette haine intellectuelle qui n'est pas du tout universelle, mais qui est présente, où les sujets en arrivent à haïr leur propre inconscient, qui est avéré par ailleurs. Hein. Tout ça est très gênant, donc puisse un évangélisme de la prothèse venir, et ça donne cette écriture qui, d'une certaine manière, demande à être déconstruite au-delà d'elle-même, je dirais. Voilà. Et c'est vrai que ça me paraît très intéressant, quoique je n'ai pas... aborder d'emblée ce côté-là, du côté des mécanismes d'écriture de la contemporanéité. Voilà, ça, c'est un peu un point.
extrêmement intéressant. Et c'est là où la psychanalyse peut, il me semble, y être associée. Bon. Donc voilà, c'est peut-être aussi le départ, je l'avais dit, hein, peut-être d'une, je sais pas, d'une collaboration pour moi, l'interdisciplinaire me paraît absolument essentiel bon, pour apporter l'apport spécifique de la voie psychanalytique hein, dans cette interdisciplinarité. Et de ce point de vue-là, le transhumanisme est un exemple sur le pléonasme exemplaire. Voilà. Bon, bah, merci pour cette introduction à la matière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on a déjà une question. Oui. Donc, je vous invite de me poser la question, Frédéric. Oui. Ouais. Bonjour, merci pour l'intervention. Alors moi, je suis, je le dis, membre de l'Association française transhumaniste. Je me suis reconnu effectivement relativement bien dans ce qu'a dit M. Hassoun, d'une manière, on va dire, décomplexée, assumée. À ce titre, d'ailleurs, je me permets de faire une petite autopromotion. J'ai écrit un texte, un essai sur le transhumanisme. Je pense, M. Hassoun, qui vous intéresserait, alors, pas pour sa qualité intellectuelle ou son envergure. Évidemment, je ne suis pas Michel Foucault ou même Kurzweil, mais comme pièce à conviction, peut-être. Donc, ça s'appelle « La méditation des chiens de paille ». Oui, j'avais juste… on ne peut pas rentrer dans une discussion peut-être trop longue, mais juste une remarque. Sur le manque, le fait qu'on barre le manque, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus complexe. En fait… Il y a une pensée du manque, même chez le cyborg, il me semble, dans le transhumanisme, mais avec cette idée triviale, on va dire, à la Max Pécasse, qu'il vaut mieux être un cyborg qu'un humain, effectivement, et que si on reste humain, mieux vaut, alors qu'on a le manque qui reste là fondamentalement, il vaut mieux être en bonne santé, jeune et riche, que le pauvre et mal fichu. Quoi. Et si vous voulez, il y a également ce thème chez certains transhumanistes que si on va vers quelque chose comme le fait de ne plus manquer ou en tout cas des techniques ou des technologies qui permettraient de croire qu'on peut ne plus manquer, eh bien en fait on perdrait de par ce fait la chose, l'entité qui manquait et qui voulait ne plus manquer. Je pense en particulier à ces questions de télépathie ou de téléempathie qui diluerait l'identité. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pensé un petit peu hein, chez les transhumanistes. Donc voilà, c'était une remarque comme ça. Et puis, je crois, j'ai pas bien entendu tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un transhumaniste malin qui vous avait dit que, et là, je suis pas sûr, mais que la conscience était une prothèse. Donc, si c'est ça, est-ce que vous pouvez redévelopper ? Je vous remercie. Et merci pour votre question. Moi, je demande qu'une chose, c'est discuter de cet aspect-là, moi je trouve intéressant. Alors votre version du manque, je ne le voyais pas, hein, donc ça c'est important. N'entendez pas ce que j'ai dit comme un déficit intellectuel de ce que seraient les penseurs humanistes, ce n'est pas ça. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui est foncièrement méconnu dans le manque, et je pense qu'il y a un vœu au sens du Wunsch, enfin du freudien, c'est-à-dire d'un vœu. Toutes les idéologies ont un vœu, d'ailleurs. On pourrait s'intéresser à cette passion qu'a la psychanalyse de saisir l'ordre du désir. Hein. Il y a aussi un désir de l'analyste sur lequel il pourrait s'interroger. Hein. Et par contre, alors je ne sais pas par où commencer, moi ça m'intéresse, votre hypothèse sur la façon dont le cyborg est en rapport au manque. C'est pas faux du tout. Hein. Mais c'est ça mon idée, c'est-à-dire que d'une certaine façon... Le héros cyborgien, n'est-ce pas, si je peux dire, c'est une machine toute puissante, hein, à reconnaître, hein, une machine à jouir qui remplit un vœu, mais lequel ? Ce n'est pas simplement celui du cyborg, c'est celui du sujet. Alors, c'est l'occasion de repréciser ce que c'est que la castration. Hein. C'est un gros mot, la castration. Hein. La castration, comment vous le dire en un mot ? Vous l'avez justement présenté dans le cadre du séminaire sur le transhumanisme pour voir ce qui se joue. Comment dire, la castration, les gens ne sont pas fous, ce n'est pas qu'ils ont peur d'être castrés ou que le père castre, non. Ce qui arrive, c'est toutes les expériences où il y a beaucoup d'expériences d'impuissance, de limitation humaine,
Mais quand nous éprouvons le sentiment poignant de ne plus pouvoir. Moi, voilà, c'est l'expression la plus claire possible. C'est-à-dire où le sujet a vraiment l'impression de tomber, par exemple, dans une situation traumatique, catastrophique, de détresse, où non seulement il ne peut pas, mais d'une certaine manière, il éprouve l'impuissance anthropologique radicale dans une situation. Pas comment le dire, être enterré vivant pour donner quelque chose de spécialement insupportable, mais toute expérience où je suis coincé. Voilà. Alors moi, ça me paraît intéressant, mais peut-être que c'est pour ça qu'on a inventé le cyborg. C'est pour ça que je propose, c'est pas pour que la psychanalyse est le dernier mot, mais effectivement, une psychanalyse du fantasme cyborgien. Si, je suis désolé, hein, parce que tout de suite, un analyste parle de patient. Mais oui, si un patient me dit à un certain moment... parce que le seul problème, le seul impératif dans la psychanalyse, c'est d'amener le sujet à reconnaître son désir et en faire ce qu'il veut. Effectivement, si quelqu'un me disait qu'il avait un intérêt pour le transhumanisme, ce n'est pas pour récupérer par la psychanalyse, je vous dis simplement, je m'interrogerai sur le rapport qu'il y a à sa propre histoire. Voilà. Mais là, ce n'est pas l'histoire simplement d'un sujet, c'est effectivement ce besoin... un besoin aussi occidental, d'une certaine manière, de se réparer par la machine, parce qu'on ne peut pas dire que l'Occident soit toujours en position facile avec la problématique de la mondialisation, etc. Voilà. Donc, le droit au fantasme, hein, c'est un point essentiel. Ce qui est plus embêtant, c'est quand... c'est pour ça que moi, je ne vois pas en vous, celui qui est le transhumaniste, il y a quelqu'un qui s'y est intéressé. Bon, moi, j'aurais envie de continuer à discuter sur... Peut-être qu'à un certain moment, oui, il y a quelque chose qui agrée un sujet. Vous pourriez me poser la même question pour comment est-ce qu'on devient ministre. C'est ça le point. Alors, ceci dit, il y a un point où on arrive toujours à la conviction. La conviction, c'est la croyance. Hein, et c'est le fait qu'il me semble qu'il y a un point, alors si on pourrait dire, mais les analystes, ils sont convaincus par la psychanalyse. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une conviction. Chaque fois qu'il y a une conviction, il y a un bénéfice fondamental, n'est-ce pas, de la solution qui est donnée, pas simplement au point de vue de la réalité. On pourrait dire aussi qu'il y a un désir du savant. Le désir du savant m'intéresse beaucoup. Moi, je pourrais même dire, j'ajouterai un argument à ce que vous dites, que dans le chaos des idéologies, ma foi, le transhumanisme a sa place. Oui. La question, c'est que je ne sais pas si vous êtes de ceux qui veulent qu'il y ait un pouvoir... l'application d'un programme. Ça peut être une philosophie, un programme. Ça me fait un peu peur. Alors, qu'est-ce que disait ce jeune transhumaniste? Je dis jeune parce qu'il est perçu comme étant dans cette idée quand même du futur. Voilà. Oui, ce qu'il me disait, c'est que, je pense que vous faites allusion à ça, que finalement, tout le monde a des fictions. Et qu'à partir de là, on amène une fiction qui est l'inconscient. Mais oui, mais c'est... c'est juste en ce sens que, vous savez, il y a des gens qui peuvent avec une décontraction sans complexe, faut dire. Il y en a des sans complexe. Hein. Il faut lire Onfray. Bon, voilà, c'est vraiment un livre qui... c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais sans l'ombre d'une expérience de ce que c'est qu'un symptôme, sans l'ombre, faire table rase. Moi, je pensais à Freud qui disait « Je suis bien conscient à la fin de sa vie. » Que n'importe quel fou, c'est Freud qui le dit, hein, pourra venir pour, j'ai dressé un colosse, n'importe quel fou pourra venir l'effondrer. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très complexe, mais je ne vais pas trop long, c'est la psychanalyse. Le rapport qu'on a à notre conscient, qui est un rapport divisé, est extrêmement difficile. Alors on pourrait dire, mais vous les psychanalystes, vous dites, comme on est divisé, vous nous faites parler. Non, c'est la clinique qui le fait. Donc, il faudrait voir comment Freud a progressivement en est venu à ses conclusions. On ne fait pas une typologie névrotique, n'est-ce pas? Mais on voit par des effets en rapport avec l'analyse des formations inconscientes, les rêves, les actes manqués, les symptômes. Hein, à partir de ce moment-là, qu'on voit que le sujet a un problème avec le sexuel qui n'a rien à voir avec la sexologie ni avec la sexualité biologique, mais un rapport signifiant très complexe que le sujet humain a au sexuel. Et je vous retourne la question, que devient le sexuel dans le transhumanisme?
où est-ce qu'il en est question, hein. Et la coupure homme-femme, c'est cette chose qui est quand même tout à fait étonnante. Au moins, la Bible raconte une histoire. Hein. Comment c'est arrivé, c'est pas, hein. Alors, il y a un livre de Tisseron qui dit, que je connais bien, mais voilà, qui dit, est-ce que les robots peuvent faire l'amour? Bon, c'est une plaisanterie. Bon, mais effectivement, les machines sont célibataires, vous voyez. Elles sont célibataires. Bon. Donc, voilà. Et je vous assure que je suis extrêmement intéressé par un débat sur le contenu, parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression, vous, la question que vous avez posée a un style tout à fait différent de ce que j'ai entendu, qui était plus du côté d'un programme commun, et à partir de là, il faut coincer l'autre. Voilà. On a une deuxième question. Je pense qu'on va répondre de façon plus. On a une deuxième question, donc je vous invite à lui poser la question. Oui. Ouais. Donc, premièrement, je m'excuse de tous ces chiffres qui apparaissent sous mon nom. Je me sers de l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à quoi ça correspond. En fait, je suis Jean-Yves Goffi. Et j'ai travaillé sur le transhumanisme depuis un petit moment. Alors, je voudrais faire une remarque par rapport à quelque chose que vous avez dit, et ensuite, je voudrais vous poser une question. Donc, la remarque, c'est à propos de Esfandiari, dont vous avez parlé tout à l'heure, en rappelant sa formule selon laquelle il éprouve une grande nostalgie pour le futur. Bon, dans sa perspective à lui, ce n'est pas du tout paradoxal, parce que la nostalgie, étymologiquement, c'est le mal du pays. Mmh. Et donc, Esfandiari, en fait, FM 2030, il nous dit une seule chose, à savoir qu'il est en exil dans le présent et qu'il veut retourner et faire retourner les autres dans son pays authentique qui est le futur. En fait, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du tout un paradoxe, c'est presque une évidence. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il entretient un certain rapport au futur qui n'est pas du tout, par exemple, celui qu'on trouve chez Kurzweil, qui présente sa vision du futur dans le cadre d'une philosophie prospective de la technique qui rend inévitable l'avènement d'une singularité à une date encore indéfinie, mais réputée proche. Ça veut dire tout simplement qu'à mon avis, il n'y a pas un discours unanime des transhumanistes, ni par rapport au futur, ni par rapport au reste. Et cette remarque débouche en fait sur la question que je voulais vous poser. Vous avez mentionné Foucault et vous avez parlé de post-humanisme. Et moi, je vous le dis tout de suite avant de poser la question, une des thèses que je défends, c'est qu'entre transhumanisme et post-humanisme, il n'y a pas grand rapport. Et je voudrais savoir comment vous enrôlez Foucault dans le propos qui est transhumanisme. Alors, bon. D'abord, quand j'ai dit que c'est un paradoxe, c'est un point pédagogique. On lit ça, on dit c'est bizarre, là, il s'agit, c'est le passé. Professeur Hassoun, votre micro est coupé. Ça va là? Oui. Ah bon, alors je reprends depuis le début. C'est-à-dire que. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Voilà, je reprendrai le mot nostalgie, oui. Le mot nostalgie, il vient des médecins militaires qui, au XVIIe siècle, c'est un texte d'un certain Hofer, hein, vous connaissez peut-être, voilà, qui fait qu'effectivement, on a découvert des gens, c'était le début du déplacement, de la délocalisation, et c'était des soldats suisses qui présentaient Heimweh, n'est-ce pas, le mal du pays, voilà, ce qu'on appelle. Et chaque langue a un mot pour ça, la saudade portugaise, etc. Voilà. Et c'est l'une des premières manifestations d'un point de vue de psychologie clinique, sans psychologue clinicien, effectivement, alors que pour nous, la nostalgie, c'est un état d'âme romantique. Voilà.
Ce que je disais au début, là, c'est que, précisément, je n'ai jamais dit que c'était un paradoxe pour le transhumaniste en question, puisque je m'en sers pour montrer que c'est le fantasme fondateur. Simplement, je disais de façon pédagogique, bon, on voit cette expression, on s'étonne, c'est lié évidemment le côté de, provocateur de la formule. Tu vois, il ne s'agit, c'est censé être le passé. Mais c'est exactement ça. Alors, vous me permettez, je ne sais pas si ce n'est pas déplacé quand on fait de la clinique analytique, mais un sujet, et ne croyez pas que j'utilise l'argument inconscient du symptôme comme argument de discussion théorique. Hein. Ça me paraît très, très important. Ensuite, je vous répondrai bien sûr sur le post-humanisme. Voilà. Que c'est qu'un sujet qui me dirait, parce qu'il voudrait bien faire le travail, là, parce que pour lui, ça serait un problème. Alors que pour le transhumanisme, ce n'était pas un problème. Il avait sa solution. Il avait sa solution, c'est la croyance au transhumanisme. Je pense que la croyance au transhumanisme peut être une solution inconsciente pour certains sujets. Voilà. Respectable à ce titre. Le problème, c'est de généraliser ça pour une idéologie commune. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Quand un sujet dit qu'il a, vous avez très bien résumé, il a sa place dans le futur, c'est qu'il y a un très gros problème par rapport au présent et au passé. Or, je suis obligé de vous dire, je ne sais pas si c'est... C'est que les sujets qui ont un problème de filiation, de transmission, des problèmes pour qui, pour des raisons très complexes, parfois graves, parfois moins graves, qui ne s'éprouvent pas, eux, comme descendants d'un passé dont ils peuvent faire un avenir précis, c'est du passé qu'ils veulent se délivrer. Et dès lors, je ne vais pas bombarder de diagnostics, je vous assure, mais il y a certains sujets psychotiques qui sont exactement comme ça, qui disent ça moins joliment, mais ils le disent. Et donc, forcément, je m'interroge là-dessus. Vous me direz, mais on ne peut pas prendre un argument clinique pour évaluer une position, mais c'est quand même intéressant. Moi, ça me fait réfléchir, le fait qu'on nous propose un programme de forclusion. Moi, ça, voilà. Par exemple, très concrètement, pourquoi bazarder tout le passé, hein? Le communisme a voulu le faire, et le passé lui est revenu dans la figure, non? Voilà. Alors, je ne vais pas mélanger du tout les choses, mais... Des gens qui veulent être soldes de tout compte pour le passé, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Ce n'est pas pour dire ben, restons quand même en ayant un peu de passé. C'est le point. Donc, voilà. Le savoir analytique peut aider là. Voyez, mais c'est pas, si je suis absolument pas de transhumaniste, ce n'est pas pour des raisons directement de diagnostic. Je dis simplement que moi, ça me fait réfléchir beaucoup. Et là aussi, le transhumanisme est intéressant. Parce que les transhumanistes ont le courage de dire leur foi, hein, conviction, mais peut-être que ce sujet-là, j'ose dire ce sujet, je vous raconterai pas l'analyse très précise que j'ai faite de Steve Jobs, mais enfin, sa position familiale explique beaucoup. Heureusement, il y avait un génie, par exemple, de la machine, enfin, qui fait qu'on a ça, ce qu'on est en train d'utiliser, c'est lié directement à la position psychique de ces sujets-là. Donc nous, ça nous fait réfléchir. Voilà, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Et je ne veux pas jouer double jeu, hein, en disant tantôt enfin diagnostic. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la synthèse. Hein. Et vraiment, quand je fais l'histoire des idées, c'est une chose. Voilà, donc, et au fond, le discours m'intéresse assez pour l'avoir inscrit vraiment dans une certaine continuité, parce que je trouve que c'est un courant tout à fait symptomatique et intéressant. Bon. Toujours dans l'aspect transdisciplinaire. Alors. Foucault, lui, je ne voulais pas dire Foucault c'est un vrai intellectuel transhumaniste, pas de vrais intellectuels, c'est pas ça, mais Foucault, lui, moi je pose la question, que veut Foucault? Enfin aussi, que veut Foucault? Pas comme sujet, c'est une autre histoire, mais qu'est-ce que veulent les transhumanistes, les post-humanistes? C'est pas... votre question, c'est pourquoi je les ai associés, mais je ne les ai pas du tout, je me suis vraiment fait mal comprendre, c'est vrai que j'ai fait juste une allusion au départ, pas du tout au sens où il y aurait une accointance entre les deux, c'est parce que c'est inscrit à votre programme d'abord, hein. Post-humanisme est un objet très intéressant, on ne peut pas faire un travail sur les écritures idéologiques contemporaines sans prendre
en compte. Il me semble aussi le postmodernisme et un certain nombre de choses. Donc, c'est pas du, il n'y a pas du tout d'accointance. J'ai simplement dit que c'est ça l'histoire des idéologies. Vous voyez, à partir du moment où il y a un doute fondamental, l'ère du soupçon, comme disait Ricoeur, est intervenue avec le post-humanisme, où l'homme avait de très bonnes raisons. Je le dis, mais Lacan va jusqu'à dire que les sciences de l'homme sentent la servitude. Moi, je n'ai pas jusque-là, évidemment. Les sciences humaines sont très précieuses comme instrument, mais on peut aussi opprimer au nom de l'homme. Vous voyez ? Mais donc, c'est un projet très intéressant. Foucault est un archéologue majeur de la modernité. Hein. Mais à partir, vous voyez, c'est ça l'idéologie. À partir du moment où l'homme est un lieu vide, c'est ça que j'ai voulu dire. Il est rempli par une idéologie de la bonne satisfaction. Alors quelle conclusion ? Je me garderais bien de produire des conclusions. Au fond, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Si, est-ce qu'il nous faut maintenant un humanisme critique ? Un humanisme, je dis les choses comme ça, hein, très, très directement, naïvement. Est-ce qu'il faut un humanisme neuf, guéri des illusions de l'humanisme ancien ? Et est-ce que toutes ces écritures contemporaines qui peuvent nous intéresser, on peut en être partisan, on peut être ennemi, carrément adversaire, est-ce qu'ils ne sont pas utiles aussi, enfin la communauté quoi, de penser, pour nettoyer ces illusions humanistes. Parfois, mais c'est notre problème en tant qu'universitaire intellectuel, c'est-à-dire on est toujours du côté de la négativité critique pour comprendre effectivement ce qu'il y a d'impasse. Hein. Mais peut-être que les tendances, les manques de chaque idéologie, se compensent, mais... je sais pas moi, l'effort critique que j'ai fait sur l'intranshumanisme m'a enseigné. Voilà. Et ça n'a pas changé ma position sur le transhumanisme, mais les pensées qui vont jusqu'au bout, qui sont conséquentes, me paraissent toujours intéressantes. Voilà. Et parce qu'il y a des tendances latentes qui apparaissent. À un moment, on pourrait faire le même travail sur le complotisme, sur des choses qui restent des thèmes médiatiques. Plus on en parle, moins on comprend, moins on se trouve. Hein. Alors que là, il me semble qu'avec l'équipe de recherche transdisciplinaire, on peut donner des opérateurs qui peuvent expliquer à un certain moment, on a bombardé le politique, la corruption du politique, vous avez le complotisme. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se retenir de critiquer pour éviter pire. Voilà. Donc, je n'ai absolument pas fait de confusion entre les deux. Simplement, il me semble que... Ça m'est venu comme ça, cette idée, que finalement le transhumanisme n'aurait pas été aussi radical s'il n'y avait pas eu ce douze foncier sur l'homme. Et de même, juste un dernier mot, sur la délégitimation des discours, c'est extrêmement ambigu cette histoire-là. Parce qu'il est évident qu'il y a une dévalorisation des discours, la question de la croyance aux politiques. Oui, mais les politiques l'ont bien mérité, etc. On est vraiment dans un tourniquet là. Voilà. Mais c'est un moment où il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le sujet. Moi, ce qui continue à m'intéresser, c'est le moins qu'on puisse dire dans la psychanalyse, c'est qu'elle donne une anthropologie pratique du sujet. Je ne vous ai pas parlé ici de tout le champ de recherche d'anthropologie analytique, c'est-à-dire du collectif. Hein. Un analyste qui est seul avec le patient dans son cabinet, oui, c'est utile, mais je veux dire, et le monde dehors. Enfin, voilà. Freud a lancé avec Totem et Tabou, avec psychologie des masses et analyse du moi, des instruments de culture complètement négligés, je suis désolé de le dire, aussi par beaucoup de psychanalystes. Voilà. Donc, ce n'est pas de dire détenir une vérité, non, mais je ne sais pas. Moi, j'ai parfois l'impression en tant que clinicien que c'est aussi le malaise de la culture qui s'allonge sur le divan. Vous entendez chez les patients des problèmes profondément intimes, singulier, particulier, mais ce que je dis régulièrement aux étudiants, en même temps, le malaise à culture, vous le voyez, il est là. C'est vraiment une analyse, est une véritable sociologie vivante. Vous lisez les cinq analyses de Freud, vous voyez la structure familiale. Comment se fait-il que les sociologues ne s'intéressent pas
au fait que le symptôme peut révéler le profond de la contradiction sociale d'une structure familiale. Voilà. Et donc, Dora, l'homme oral, l'homme loup, le président Schreber aussi, enfin, c'est des sujets qui révèlent une certaine impasse de la culture, quoi. Bon, mais simplement, il ne faut pas que les années... Bon, c'est pour ça que j'ai fait un trajet transdisciplinaire, je vous le dis, mais évidemment, on ne peut pas dire on est sociologue ou politologue, moi j'ai fait la science politique, mais bon, il y a un moment où il faut choisir sa pratique, hein, dominante, si je peux dire. Mais c'est quand même très, ça serait très intéressant de travailler même sur des cas cliniques pour montrer qu'est-ce qu'un sociologue peut dire de la structure de la famille à l'époque de Freud. La famille conjugale de Durkheim, c'est la clé de beaucoup de symptômes. C'est depuis que, par exemple, c'est depuis qu'il y a la famille conjugale qu'on voit apparaître beaucoup de pathologies de l'enfant. Et il y a un lien entre les deux. Enfin, vous voyez. Mais ça, le malheur, c'est qu'on reste séparés. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir ce qu'on peut en dire avec un vrai savoir. Il ne faut pas faire une sociologie d'amateur, il faut le proposer, effectivement, ce qu'on peut dire, je ne sais pas, un groupe de travail sur cet aspect pour ceux que ça intéresse. Mais inversement, je trouve que les sociologues de la famille devraient s'intéresser aux névrosés du 19e siècle. Hein, parce que là, ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une discordance dans la structure sociale. Mais si vous faites une sociologie des maladies mentales, ça ne va pas, parce que vous ne comprenez pas la singularité d'un sujet. Alors là, on tourne dans une impasse. Là, j'ai voulu montrer que le transhumanisme, de ce point de vue-là, ce n'est pas qu'il a à être critiqué. Je pense qu'il est quand même dans une certaine forme d'autoconviction. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il fait symptôme à notre modernité, à notre postmodernité. Mais vraiment, le malentendu, c'est de penser que je l'assimile au post-humanisme, qui d'ailleurs, ce n'est pas une expression foucauldienne. Hein. Foucault, il fait quelque chose de moins compromis par les étiquettes en isme. C'est son désir à lui aussi, son désir théorique. Voilà, il fait quelque chose d'extrêmement original, qui fait une histoire des savoirs, des pratiques, qui nous est extrêmement utile. Mais quand il s'attaque au sexuel, c'est moins convaincant. C'est le dernier texte de Foucault, malheureusement interrompu par la maladie. Là, il dit des choses très intéressantes sur la scientia sexualis en Occident, que l'analyste a médité. Hein. Mais en même temps, désolé de dire, il ne comprend pas ce que c'est qu'un sujet inconscient. Parce qu'il finit par penser qu'il est produit par le savoir, par les préjugés du savoir, alors qu'un sujet a un rapport à la vérité singulière très particulier, très très particulier. Donc la vraie pluridisciplinarité, dernier mot, à mon avis, ce n'est pas simplement vouloir fusionner, c'est que chacun apporte la spécificité de sa méthode et son objet, et qu'on voit, n'est-ce pas, qu'à un certain moment, il y a des objets tels que vous butez sur des choses que vous ne voyez pas. Il y a des codes culturels. Si vous ne les voyez pas, vous allez dire des bêtises au plan de la lecture d'un cas clinique, parce que vous ne verrez pas pourquoi le sujet est pris dans la dette, dans la structure marchande. Les obsessionnels ont toujours des problèmes d'argent dans leur fantasme, vraiment, anal. Mais en même temps, ils sont pris dans la forme marchande du capitalisme. Bon, vous voyez. Alors tout ça, pour moi, c'était, ça reste l'une des tâches d'une anthropologie analytique, quoi. Si vous n'avez plus de questions, je pense que je vais faire plutôt un commentaire. Important surtout pour les étudiants en thèse qui nous écoutent et qui me permet aussi d'introduire la notion de fiction post-humaniste et de faire ensuite la transition vers le dialogue avec Isabelle Jarry. Puisque vous avez parlé de post-humanisme et de transhumanisme, donc le post-humanisme en tant que posture philosophique argumentative, dans laquelle s'en sert justement les positions prises par les écrivains, aurait laissé la place au récit transhumaniste, qui nous raconte qu'il ne faut pas renoncer au rêve d'une vie sans mort, d'une jeunesse sans vieillesse, surtout que maintenant le progrès technoscientifique nous garantit notre prolongement
par toutes sortes de prothèses. Donc, la fiction post-humaniste s'inscrit naturellement dans le post-humanisme et plus précisément dans ce que Tyler Samuelson a appelé le post-humanisme culturel et philosophique. En fait, je rappelle pour les étudiants que Tyler Samuelson fait la différence entre le post-humanisme technoscientifique qui porte au nu la science, la raison, le progrès, et le post-humanisme philosophique et culturel, plus littéraire, plus artistique, et qui se constitue justement volontiers en critique du progrès à tout prix et de ses conséquences néfastes sur l'humanité. Avec cela, nous procédons à la deuxième partie du séminaire, celle qui est consacrée au dialogue et aux questions que nous allons adresser à Isabelle Jarry et qui porte sur ces deux romans, Magique aujourd'hui et Contre Monsieur l'ennemi. J'ai pas mal de questions, une dizaine même, et mes interventions se finalisent soit par une question directe, soit d'autres fois par un constat sur lequel j'ai travaillé. J'aimerais bien avoir l'avis de l'écrivaine que nous avons invitée aujourd'hui. Donc, je commence par une question. Pouvez-vous nous expliquer, Isabelle Jarry, pourquoi la fiction post-humaniste coexiste du point de vue thématique avec la dystopie et avec la science-fiction tout en étant indépendante? Donc, elle s'impose même comme une nouvelle forme littéraire. Je précise que nous assistons dernièrement à une hausse des romans publiés autour de la figure du post-humain et qui ne relève ni du genre dystopique ni de celui de la science-fiction. Au contraire, la fiction post-humaniste s'inscrit dans la littérature contemporaine française pour notre séminaire et surfictionnaliste simplement des données véhiculées par le transhumanisme, des données véhiculées actuellement par le transhumanisme. Isabelle Jarry, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, je suis là, absolument. Je suis là, vous m'entendez? On vous entend, oui, très bien. C'est une question très difficile que vous me posez là. Et en plus, comme vous le savez, les romanciers, les écrivains ne sont pas des universitaires. Oui, bah justement, vous parlez de votre perspective en tant qu'écrivaine. En fait, il me semble que ce qui a un peu changé la donne par rapport aux années 50, par exemple, hein, la littérature d'anticipation, elle ne date pas du XXe siècle, hein, elle date du début du XIXe siècle. Mary Shelley fait déjà de la littérature d'anticipation. Il y a de nombreux exemples dans les auteurs français comme étrangers dès le XIXe. Disons que je pense que la différence aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où la technologie, et en particulier la technologie numérique, a ouvert de nouvelles perspectives. Mais pour l'écrivain, ces nouvelles perspectives, elles ne sont pas tant technologiques, mais elles sont narratives. C'est-à-dire que ça offre la possibilité de développer des récits qui questionnent. En fait, ça sert toujours à ça, les fictions. Hein. C'est ça qu'on fait quand on écrit un roman. On questionne la réalité, on questionne le présent. Mais par exemple, quand Asimov questionne le présent des années 50, quand il écrit toute sa trilogie des robots, il se projette dans un futur qui n'existe pas encore. Alors qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs exactement ce que font les transhumanistes, ils se projettent dans un futur qui nous semble déjà exister. Donc, en fait, moi j'ai toujours pris ce parti dans mes romans d'anticipation de démarrer le livre en effet dans une temporalité qui est future, hein, on n'est pas aujourd'hui, on est dans 10, 20, 30 ans, mais après quelques pages on a complètement oublié qu'on était demain, et l'idée c'est d'induire sans que le lecteur s'en rende compte une sorte de glissement temporel qui fait que tout d'un coup on parle vraiment d'aujourd'hui. D'où le titre de mon livre et le nom aussi du robot qui s'appelle Today. Donc en fait, ce que je trouvais intéressant, et d'ailleurs, je n'ai pas du tout la même attitude d'écrivain entre 2009, quand j'écris Contre mes seuls ennemis, et 2015, quand j'écris Magique aujourd'hui, parce que là, il s'est passé non pas des avancées technologiques spectaculaires, mais une manière dont s'en est emparée la société qui paraît devoir être questionné différemment. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Si, très bien. En fait, c'est que moi, je travaille, je vous pose des questions de ma perspective en tant que chercheuse et vous répondez en tant qu'écrivain, c'est tout à fait normal. Donc, ce qui est intéressant. On n'est pas du même côté de l'histoire. Ce qui est intéressant pour un écrivain, quand on. Enfin, bon, moi, il se trouve que j'ai une formation scientifique, mais je ne m'en sers pas tellement en réalité. Je m'en sers un peu, mais ce n'est pas ça qui va. Enfin, je pense qu'il y a des tas d'écrivains qui s'intéressent à ces sujets sans pour autant avoir une formation scientifique. Ce n'est pas la question. En revanche, la question de la science aujourd'hui est une question qui concerne tout le monde. Donc les écrivains au premier chef, parce que les écrivains s'intéressent à tous les sujets qui transforment la société, qui modifient les relations entre les êtres, qui interagissent en fait. Et c'est vrai que la perception d'une science mise à portée de tous, hein, parce que quand vous utilisez votre iPhone, hein, ou même ce qu'on est en train de faire maintenant, de faire une conférence en visio, ça fait appel à des technologies assez sophistiquées. Votre iPhone aujourd'hui, c'est un véritable ordinateur. Il fait des tas de trucs, vous ne comprenez même pas ce qui se passe et vous l'utilisez pourtant exactement de la même manière qu'un objet du quotidien qui vous suit partout, etc. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de voir comment énormément de gens se sont engouffrés dans cette ère numérique en utilisant des objets technologiquement très, très sophistiqués, tout en n'ayant pas du tout conscience qu'ils avaient entre les mains une technologie, enfin une haute technologie. Et en même temps, en faisant un usage parfois complètement détourné. Et c'est ça que je trouve génial aussi, et bon, c'est aussi ce que j'ai essayé d'illustrer, mais à rebours dans mon livre, parce que là, c'est le robot, en fait, qui essaye de devenir un être humain. Donc moi, j'ai pris le parti inverse des transhumanistes, finalement. Ce n'est pas l'être humain augmenté, c'est le robot qui tend à devenir un humain. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de renverser le paradigme et de proposer une vision de robot tendant à l'imperfection humaine, en fait. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Il me semble que vous êtes aussi chercheuse, puisque vous avez travaillé. C'est ce que je voulais dire, en fait, parce que quand on lit vos romans publiés en 2009, quand on est sur l'ennemi, on voit très bien votre formation, votre Oui. doctorat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'approcher si on n'a pas les mêmes connaissances que vous, j'ai l'impression. Donc on voit bien que vous avez une maîtrise que nous, on l'a pas, par exemple, en tant que lecteur. Je pense que c'était ça la question, oui. Toujours d'écrire pour tout le monde. Mais là, ce qui m'intéressait dans Contre mes seuls ennemis, c'est en fait, alors là, je suis allée beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, puisque mon propos, c'était que tout être vivant, du virus à l'être humain, pouvait potentiellement être transformé. Diminuer, peu importe. Moi, ça m'intéresse pas. Le côté qualitatif ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le saut d'un état à un autre. Et là, en l'occurrence, c'est un virus qui se transforme et qui essaye d'entrer en communication avec les habitants, les occupants, en l'occurrence des chercheurs, d'un bâtiment. Et il se sert comme véhicule de l'architecture du bâtiment. Donc, c'est une proposition qui englobe le concept d'habiter quelque chose, d'habiter un espace, qui englobe aussi le questionnement de la recherche, comment on cherche, pourquoi on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, hein, puisque tous les personnages sont des chercheurs, et qui évidemment fait une proposition extrêmement audacieuse, mais ça évidemment ça vient de ma formation de biologiste, qui considère que tout être vivant, du plus petit, du plus simple, aux plus sophistiqués, et moi mes préférés ce sont les plantes, ont un langage, une volonté de communiquer et une capacité d'habiter le monde et d'exister qui vaut tout autant que la nôtre en fait. Voilà, donc c'est une proposition dont je conçois tout à fait l'audace hein, intellectuellement, mais mon chercheur, le personnage principal qui s'appelle d'ailleurs Archimède. Basile Archimède, comme il dit, Basile parce que je suis le roi, Archimède parce que je trouve. Et il veut absolument comprendre le langage des plantes et des végétaux, donc c'est son travail, c'est ça qu'il fait. Et puis il se trouve pris dans cette histoire de. C'est un peu comme un thriller, en fait, ce livre, je l'ai écrit comme un roman à clé aussi, comme un thriller. Et c'est vrai que c'est un roman d'anticipation,
Et en même temps, ça réunit, c'était aussi une sorte de pastiche de genre, en fait. C'est, un, c'est le roman de science-fiction, c'est le roman à clé d'intrigue policière, c'est le roman d'amour, puisqu'il y a une intrigue amoureuse au milieu. Enfin, c'est le roman de science, dont tous les personnages sont des chercheurs, des savants, etc. Donc, c'était aussi un peu un clin d'œil à tous ces genres très codifiés. Et je me suis beaucoup amusée. Maintenant, les propositions qui sont faites dans ce roman, qui est un peu une blague, hein, sont tout à fait sérieuses. Moi, je veux vraiment qu'on réfléchisse à cette question de la place de chaque être vivant dans le monde et dans les différents édifices. Et j'étais d'ailleurs assez étonnée au moment de la pandémie en relisant certaines pages de ce livre. Donc, qui a été écrit 11 ans après, d'y voir des correspondances assez troublantes avec l'apparition de ce virus et la manière dont il rentrait brutalement en contact avec nous. Justement, vous ne donnez pas une place à ce virus, c'est-à-dire que vous ne lui donnez pas une voix. Il n'a pas un statut de personnage en soi, mais il crée plein de dégâts dans le roman, parce qu'on voit bien, le virus, il est invisible, il est parmi nous, mais dans votre roman, il n'a pas le statut de personnage. C'est vrai, il n'a pas le statut de personnage, mais aussi sûrement parce que les personnages, c'était... En fait, c'est plus le bâtiment qui a un statut de personnage, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est plus l'inerte, en fait, dans ce livre, qui a un statut de personnage. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était que le bâtiment servait de médium, en réalité. C'était lui, le véhicule. Mais bon... Finalement, j'ai écrit ce livre comme un petit peu... Enfin, je ne pensais pas qu'il serait publié. En réalité, c'était une sorte de jeu formel qui me permettait d'émettre des tas d'hypothèses et de les transformer en histoire. En fait, c'est un livre d'écrivain au sens vraiment premier du terme. C'est-à-dire comment on arrive à faire du récit avec des hypothèses, comment on arrive à créer une histoire, à inventer une histoire qui peut être parfois incohérente, hein. Et mon éditeur qui s'impatientait que je lui rende un texte sur lequel j'étais en train de travailler, je lui dis, mais excuse-moi, mais j'ai fait autre chose entre-temps, je reviens à mon roman. Et il me dit, mais c'était quoi que tu as fait? Et je lui dis, oh non, mais ça ne va pas du tout t'intéresser, c'est un petit travail d'hypothèse sur... voilà. Et il a insisté pour le lire, et une fois qu'il l'a lu, il m'a dit, mais je trouve ça super, on va le publier. Évidemment, c'est un livre qui est un ovni, quoi. C'est totalement un ovni dans le paysage littéraire, surtout en 2009, quoi. C'était pas du tout des thématiques qui intéressaient beaucoup de monde. Mais en revanche, ça m'a donné envie de poursuivre, et c'est à partir de là que j'ai poursuivi ma recherche sur Magique aujourd'hui à travers les robots, parce que je travaillais à ce moment-là sur le rapport des écrivains de fiction, donc les romanciers, au progrès scientifique par rapport à la machine. Il y a une série d'essais publiés chez José Corti d'un philosophe qui s'appelle Jacques Noiret, qui s'appelle L'écrivain et la machine, donc ça fait plusieurs volumes, donc il traite de différents écrivains, évidemment de Villiers, de l'Isle-Adam avec la future, et ce livre m'a beaucoup inspirée, et je me suis dit, mais est-ce qu'en fait aujourd'hui c'est encore possible de considérer la machine au sens large du terme, qui a le produit mécanique de l'intelligence humaine, hein, qui crée des objets qui n'existent pas et qui deviennent n'importe quoi, des grille-pains, des frigos, des voitures, des aspirateurs, hein, et pourquoi pas des robots. Et je me suis dit, ça serait intéressant de faire aujourd'hui un roman comme Zola faisait quand il écrivait le docteur Pascal et qui s'intéressait à la génétique, quand Balzac écrit La recherche de l'absolu et qui s'intéresse, sinon à l'astrophysique, du moins à une forme d'alchimie qui pourrait rejoindre la physique, etc., etc. Comme évidemment Villiers l'Isle-Adam le fait quand il écrit L'Ève future et qui met en scène quand même un vrai personnage, hein, qui est Edison, parce que le personnage principal de L'Ève future, c'est l'électricien, je ne sais pas comment on peut dire, Edison, qui fabrique une androïde. Et c'est absolument, c'est un roman absolument extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire la même chose en 2014, quoi? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui écrire un roman en considérant des présupposés
scientifique et en questionnant la société sur le rapport qu'elle a aujourd'hui avec ses androïdes. Enfin, d'ailleurs, comme par hasard, certains téléphones s'appellent enfin, ils sont sous Android. Hein. C'est quand même, les mots parlent pour eux-mêmes. Voilà, donc il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais des jeunes enfants sous les yeux et je les voyais en permanence évoluer dans ce monde de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs. Et je trouvais ça intéressant de les voir, eux qui étaient nés là-dedans, s'emparer de ces objets avec une aisance, une facilité et surtout sans du tout s'interroger sur l'étrangeté de leur présence dans nos vies. Voilà. Donc, le glissement s'est fait comme ça. Je vais enchaîner avec une deuxième question. Oui, Mara, si je peux intervenir aussi. Oui, oui. pour essayer de relayer un peu. Oui. D'ailleurs, il faudra qu'on. Nous revenions peut-être également à Paul Laurent Assoud, parce que nous sommes en plein dedans. J'ai trouvé que le terme idéologie revenait constamment dans le discours de Paul Laurent, et je me demandais si finalement le transhumanisme, vous n'en faisiez pas une sorte de nouvelle version d'une idéologie qu'on connaît très bien en Occident depuis le XVIIIe siècle, l'idéologie du progrès, et si nous... Exactement. Nous ne sommes pas effectivement dans la dernière version de l'idéologie du progrès, avant qu'il n'y en ait une nouvelle, pour aller sans fin, comme vous le disiez vous-même, vers le meilleur. Bon. Et à ce moment-là, le transhumanisme ne serait qu'une idéologie de passage avant que nous n'allions vers une autre idéologie qui s'inscrira également dans ce progrès de l'Occident. Voilà. Et ma question, excusez-moi Paul-Laurent, j'adresse également ma question à Isabelle. En même temps, pour essayer d'avoir un dialogue entre vous. Mais Isabelle, je la poserai plutôt sur le plan de la technique narrative. Donc, vous écrivez sur les robots, vous avez publié un récit pour la jeunesse hein, sur les robots, Zwick le robot, en 2011. Et j'ai vu également que vous allez animer des ateliers de la NRF au printemps 2021 sur le personnage au cœur du roman. Hein. Pas 2021, Jean-Marc, 2020 seulement. Ah, 2020 ah, ben, alors, le site est mal fait. Ils annoncent 2021. Non, mais en fait, ça fait déjà. C'est déjà commencé. J'en ai déjà D'accord. fait un en 2019 et en 2000. Oui, le personnage, absolument. Donc, le personnage, cet élément central pour le romancier, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, finalement. Qu'est-ce qu'un personnage? Quand on se pose la question, on n'arrive pas vraiment à répondre. Et je me demandais justement ce que le robot apportait comme personnage pour vous. Comment est-ce que vous envisagez la création d'un tel personnage? Moi, j'ai trouvé, par exemple, que Today, dans Magique aujourd'hui, c'est un personnage d'enfant, en fait, naïf, une confiance excessive dans les autres, l'absence de sensualité, de sexualité. Et donc, est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que je suis en train de créer un personnage enfantin quand je crée ce robot, ou est-ce que, véritablement, j'essaye d'aller vers un personnage absolument inédit dans la littérature, qui serait véritablement un personnage de robot authentique. Voilà. En réalité, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment un robot se positionne alors qu'il est... C'est un territoire vierge, un robot, en fait. On crée un robot et, en fait, on le charge d'éléments... successifs, hein, les uns après les autres. C'est comme un ordinateur, vous mettez dedans des cartes mémoire, des fonctionnalités, des puces, etc. Puis il sait faire un certain nombre de choses. Si vous voulez rajouter de la mémoire, vous êtes obligé de rajouter une carte. Si vous voulez qu'il intègre un logiciel que vous n'avez pas, vous êtes obligé de le télécharger, etc. Ben là, c'est pareil. Un robot, je partais du principe qu'un robot, c'était ben, une enveloppe vide et qu'on rentrait quelque chose dedans. Un peu comme un personnage, d'une certaine manière. Pour qu'un personnage existe, vous êtes obligé de le décrire, d'en faire le portrait physique, de petit à petit apporter des caractéristiques psychologiques, le caractériser. Donc le robot, c'est un personnage, c'est une sorte de personnage vide qu'on remplit. Et donc le jeune homme qui est le propriétaire de ce robot a la configuré d'une certaine manière. Mais il se trouve qu'il se retrouve tout seul et qu'il doit se débrouiller par lui-même. Et là, il change de statut, c'est-à-dire que c'est plus seulement un robot, c'est en effet un être incomplet, comme un enfant. C'est un être qui n'a pas encore fini sa croissance, qui n'a pas encore pu acquérir son autonomie. Et ma question, c'était, est-ce qu'une machine peut, à quoi tendrait une machine qui chercherait à acquérir son autonomie? Qu'est-ce qu'il voudrait prendre
de qu'est-ce qui l'intéresserait chez nous, qu'est-ce qui l'intéresserait chez l'être humain, qui est son modèle, il n'en a pas d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il prendrait? Et c'était un postulat à laquelle, en tant que romancière, j'ai répondu. Donc, on aurait pu répondre de mille manières, mais moi, j'ai répondu que ce qui l'intéresserait, si j'étais à sa place, je chercherais à acquérir deux choses, qui est le langage, la maîtrise du langage, qui est le propre de l'homme, et l'exercice de la liberté. Et c'est ce à quoi s'emploie le robot dans tout le livre. Alors certes, il cherche à retrouver son maître, entre guillemets, son propriétaire, mais il s'en trouve détourné sans arrêt, et assez vite, il comprend qu'il va devoir se débrouiller par lui-même. Donc en fait, Toudé, c'est une sorte de petit poussé égaré dans la forêt, dans la jungle urbaine, et qui va devoir survivre avec ses capacités. Et là, curieusement, ce n'est pas des capacités de machine qu'il va utiliser, c'est le souvenir des capacités humaines que lui a transmis son propriétaire. Et donc, c'était évidemment une manière pour moi de questionner qu'est-ce que l'homme, en fait. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et une machine? Et bon, ce qui m'intéressait, c'est évidemment d'avoir un renversement de situation où c'est le robot qui cherche à devenir un homme. Et finalement, le fait qu'il soit un enfant, comme vous l'avez dit, on peut en effet le considérer comme un enfant, montre sa fragilité, sa faiblesse. Et à l'inverse du transhumanisme, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il cherche à atteindre, c'est une perfection dans l'imperfection. Il sait qu'il sera toujours trop gentil, trop naïf, trop incompétent, trop, y compris dans la thèse qu'il soutient à la fin du livre, puisqu'il, Tim n'étant pas rentré de sa relégation, il est obligé de passer devant le jury et c'est lui qui fait le boulot en fait. Et là, il est obligé d'avoir des moments d'audace où il va se substituer aux jeunes chercheurs et présenter. Et d'ailleurs, le jury est vêtement sidéré, ils ne savent plus du tout qui parle, quoi. Et ça m'intéressait aussi de réfléchir à ce qu'on attend de nos machines. Qu'est-ce qu'on fait, en fait. C'est vrai. De à quoi on est prêt à leur déléguer, peut-être. Et là, je suppose que là, le psychanalyste aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce que vous supposez qu'une machine peut avoir un désir. C'est problématique, non? Je peux répondre à votre question sur le problème. Oui, voilà. Parce que, non, moi je dis au contraire, voilà, idéologie, oui, mais justement, je crois, tu comprends, moi dans ma vision, le progrès de l'époque des Lumières, de la Aufklärung, toutes les formes du progrès, supposait la finitude de l'homme. Et l'idée, c'était de se décoloniser du grand autre humain, n'est-ce pas, pour que le progrès se libère, mais dans les limites de la finitude. Alors, il faudrait faire toute une histoire des modèles du progrès, depuis les Lumières, puis l'évolutionnisme. C'est un surévolutionnisme, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait l'originalité, le culot du transhumanisme. D'autre part, je voulais dire à Isabelle que ce que vous décrivez avec ce vide qu'on remplit, je vais vous dire, c'est comparable à Condillac. Condillac, et c'est sur l'origine des connaissances. La statue est d'abord odeur de rose, vous connaissez son texte, et progressivement, l'empirisme du XVIIIe siècle a été justement l'idée d'un vide à remplir, alors que le rationalisme supposait qu'il y ait des connaissances a priori, et ça me paraît extrêmement intéressant, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire, je relisais récemment un hasard d'un texte de Condillac qui s'appelle « La langue des calculs », la leçon dernière, où il disait que comment dire, c'est exactement ce que vous décriviez, je pensais que vous faisiez allusion à lui, c'est-à-dire que contrairement à l'idée rationaliste comme quoi j'apprends des choses, par exemple les mathématiques, il ne faut pas que j'apprenne les mathématiques, il faut que j'apprenne à calculer point par point comme dans un Lego, hein, de telle sorte qu'il y avait cette idée de déduction. Alors là, c'est un modèle des Lumières, mais je pense qu'il y a tout un courant, d'abord ce n'est pas du progrès, c'est de l'hyper-progrès, et de l'hyper-progrès qui... Le progrès, c'est l'idée qu'on va continuer, là, c'est l'idée qu'on va casser les reins à l'évolution, le transhumanisme. Voilà. Et d'autre part, je pense qu'il y a l'empirisme, pas le rationalisme, est un élément constitutif préalable de toutes les connaissances robotiques, d'une certaine façon. Puisqu'il dit exactement ce que vous dites de votre robot, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vide. C'est ça le défi de Condillac. De telle sorte que je prends une sensation,
rien que pour embêter les rationalistes, il dit ça, une sensation, et la statue immobile, vide, sauf qu'elle est plus, elle est peut-être plus esthétique que le robot, mais voilà, elle devient odeur de rose, c'est pas de la poésie, c'est de l'empirisme. Voilà. Et ensuite, j'injecte, et de telle sorte qu'à la fin, on ait une connaissance, ça serait intéressant d'étudier ça. D'ailleurs, c'est explicité dès le départ, puisqu'en fait, on comprend que Tim, hein, le jeune homme, qui est aussi un chercheur d'ailleurs, qui est une sorte d'anthropologue, c'est un anthropologue qui travaille, comme par hasard, sur les situations de solitude extrême et des situations, en fait, il fait sa thèse sur des êtres humains, des personnages, des vraies personnes qui se sont retrouvés dans des situations de solitude extrême à la suite de catastrophes. Et en particulier, il fait sa thèse sur un Japonais qui, à la suite de Fukushima, s'est laissé enfermer dans la zone de contamination, qui a écrit un livre qui s'appelle « Prisonnier volontaire » et là, on le retrouve en 30, je ne sais pas, le livre se passe en 2040, quelque chose comme ça, magique aujourd'hui. Et donc, Tim a suivi l'évolution de ce Japonais qui existe vraiment. Hein. Mais bon, évidemment, on ne sait pas ce qu'il aura écrit en 2030 et encore moins en 2040. Donc, et il fait référence dans sa thèse aux ouvrages de ce Japonais qui raconte la recherche de la liberté à l'intérieur de cet espace vierge colonisé par les plantes devenues folles avec la radioactivité, etc. Et en même temps, une sorte de retour aux origines, comme une sorte de Robinson des temps modernes, post-catastrophe. Et donc, c'est cette thèse-là que va soutenir le petit robot devant le jury éberlué. Donc, Tim a configuré son robot, et il l'explique dès le départ. Donc, il a besoin d'un assistant. Il a besoin d'un assistant qui puisse travailler avec lui, qui puisse donc être sensible, être compréhensible. Et il a enlevé toutes les défenses qu'on met ordinairement à un robot. Qu'Asimov a très bien théorisé, donc un robot ne doit jamais porter atteinte à un être humain, ne doit jamais être animé d'intentions malfaisantes, etc. Et donc, Tim a enlevé tous ces... Il a décoché, hein, comme vous feriez sur votre téléphone, il a décoché toutes les cases qui permettraient de border complètement sa machine pour lui donner le plus d'autonomie possible. Il a même fait quelque chose qui est interdit, en lui laissant quasiment un libre arbitre. Il lui laisse un libre arbitre. Ça, c'est un choix. C'est aussi ça qui m'intéresse en tant que romancière. Et ça n'est qu'un roman. Mais en même temps, ce que je porte, c'est un discours. C'est une question, c'est une interrogation. Je m'arrête là, mais vous avez bien travaillé sur le thème de la science dans la littérature. Vous n'avez pas produit ça quoi ? J'ai travaillé, mais je n'ai pas écrit. Je n'ai pas publié, en fait. J'ai travaillé avec un historien des sciences. Et puis finalement, notre projet ne s'est pas fait. Mais j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ouais. Et bon, je trouvais intéressant de questionner cette affaire de ce qu'on, enfin, encore une fois, qu'est-ce qu'on projette de nous dans les machines ? Qu'est-ce qu'on veut leur faire faire en réalité ? Qu'est-ce qu'on accepte qu'elles soient ? Et je trouve évidemment, en tant que romancier, vous pouvez faire des propositions à l'infini puisque vous êtes libre d'avancer dans votre roman et dans votre histoire comme vous le voulez. Donc j'ai pu évidemment aborder le problème entre ceux qui, bon, Tim qui est envoyé en cure de déconnexion dans une zone blanche où il n'y a aucune connexion, des personnes qui vivent dans ce village qui eux ont une position, évidemment ils se sont installés là, mais en fait on s'aperçoit qu'ils sont en lien en permanence avec le monde. Donc il y a tout ce rapport aussi à l'autre. Et d'ailleurs à un moment Today lit un carnet de notes de Tim. Et il dit, certes, c'est un robot et il fait ce que je lui dis, certes, c'est moi qui l'ai programmé, mais en réalité, il représente l'altérité. L'autre, c'est lui. Même si c'est moi qui l'ai fait, c'est quand même un autre. Et si ce Japonais, et d'ailleurs, Tim, le petit Today, en soutenant la thèse, dit, ah, si Monsieur Izumi avait eu un assistant comme moi, les choses auraient été complètement différentes. J'aurais été son vendredi. Et donc, évidemment, il y a tout un jeu de mots puisqu'il s'appelle Today. Voilà, bon, j'aurais été son vendredi. À d'autres moments, il y a aussi d'autres personnages qui l'appellent Saturday, enfin, qui se trompent. Enfin, je me suis servi pour ça, d'ailleurs, des jeux de mots faits par le rover Curiosity, envoyé sur Mars,
Peut-être que vous vous souvenez de ce petit robot qui a arpenté la surface de la planète Mars pendant plusieurs mois et qui envoyait des messages et qui faisait des jeux de mots en permanence dans ses messages. Et ça, c'était quand même extrêmement spectaculaire parce que faire des jeux de mots, être capable de manier l'humour, c'est pas quelque chose qu'on attend d'un robot. Et lui le faisait. Et moi, j'étais abonnée à son compte Instagram et j'étais absolument stupéfaite de ces messages qui étaient envoyés par le robot. Donc, ça veut dire qu'il y avait des choses qui avaient été intégrées indépendamment de toutes ces recherches, de toutes ces mesures, de tout ce qu'il pouvait faire, de toutes ces aptitudes technologiques. Il aspirait à avoir un esprit. Et c'est ce que j'ai voulu, évidemment, un esprit et un libre arbitre, évidemment. Et alors, je vais quand même dire quelque chose à Paul Laurent. Il a parlé de la famille. Tous mes personnages sont isolés. Tous mes personnages vivent seuls. Parce qu'en fait, je pense aussi, je réfléchissais en l'écoutant à ça, je me disais, pourquoi est-ce que mes personnages sont seuls? C'est parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'auteur, je m'adresse à l'individu. Je ne veux pas qu'il se sente pris dans la foule. Je ne veux pas qu'il se sente élément d'un corps social. Je veux qu'il se sente concerné, lui, personnellement, en tant qu'individu. Mais dans mon livre, la seule famille qui existe, c'est la famille de Tim. Et d'ailleurs, le petit robot, Today, n'est relié qu'à... Il n'a qu'un seul lien avec le monde qui pourrait le rapprocher de Tim, c'est sa famille. Et il appelle sa mère, et quand il parle à la mère de Tim, il lui dit « maman ». Et la mère de Tim dit qu'elle a toujours été gênée par le fait que le robot l'appelle « maman », mais que bon, elle ne peut rien y faire, il l'appelle « maman ». Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle « maman » ? D'abord parce que « maman », c'est quasiment le premier mot que dit un petit bébé, hein. En réalité, c'est plutôt papa, parce que c'est plus facile de prononcer les p que les m. Mais bon, maman, et parce que c'est typiquement l'inclusion que tous cherchent à retrouver. Enfin, on veut tous être inclus dans une maternité, dans une famille, etc. Et ça, c'est amusant que vous en parliez, parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Mais à entendre ce que vous disiez, je me suis dit, c'est vrai, je n'ai mis qu'une famille, et avec le rôle principal tenu par la maman. Mais ça, c'est essentiel, parce que la famille, c'est symbolique. Juste un point très rapide. Freud dit dans Psychologie des masses, contre l'idée d'une pulsion sociale qu'on aurait, qui serait insécable, il dit, d'après lui, très modestement, que c'est dans le cercle plus étroit de la famille qu'on peut avoir la genèse de la pulsion sociale. C'est une énorme discussion, ça, avec la sociologie, ce qui veut dire que c'est dans le... Christ, il dit, dans le cercle étroit de la famille que se mettent en place toutes les premières rapports à l'autre, c'est-à-dire les identifications, les idéalisations, et naturellement il y a toute une vie sociale après. Mais par exemple, quand vous voyez, quand un enfant en bas âge voit quelqu'un d'autre venir, il ne faut pas que ce ne soit pas sa mère, il n'a pas de pulsion sociale, c'est plus tard qu'il construit sa pulsion sociale. Alors si tous vos personnages sont célibataires, ils ne sont pas forcément célibataires, mais ils sont isolés. Mais ça, c'est ma thématique personnelle. Dans tous mes livres, je traite de l'isolement. Ça, c'est une thématique qui traverse absolument tous mes livres, qu'ils soient d'anticipation ou pas. C'est mon sujet. D'accord. Comment vivre au bord? Comment vivre dans les marges? Comment être isolé? Comment se retrouver? Comment vivre quand on est seul? Donc là, évidemment, même le robot, il passe à la moulinette de ma thématique de romancière. D'accord. Puisqu'il se retrouve lui aussi tout seul. Donc, je peux vous poser une deuxième question? Bien sûr. Ouais, simple cette fois-ci. Donc, quand on lit Magique aujourd'hui, on retrouve le mythe du golem. Par exemple, le robot Today reste tout seul, sans team, sans l'humain team. Il se fait enlever, exploiter dans des travaux physiques par Myrène, exactement comme dans la version pragoise du golem, parue au XVIIIe siècle, sans laquelle le golem est utilisé, dans laquelle le golem est utilisé comme serveur par le maharal de Prague pendant 6 jours de la semaine. Mais la légende raconte qu'un jour, un vendredi soir, le maharal aurait oublié de réduire au silence le golem et celui-ci se transforme dans un anti-golem. Votre robot, votre petit robot, tout mignon, tout doux, ne risque pas-t-il de se transformer aussi en anti-golem? Et puisque votre fiction est ouverte, donc elle laisse la place à des interprétations, peut tout à fait se poser cette question-là. Alors, c'est une question très intéressante.
Mais justement, ce qui moi, m'a conduit, c'était la perspective d'une machine qui serait peut-être, qui divergerait de la nature humaine en n'épousant pas tous ces travers, justement. Et après tout, pourquoi les machines que nous créons devraient être malhonnêtes, cruelles, indifférentes? Peut-être qu'elles pourraient, au contraire, trouver que ce sont des pulsions, des passions tristes, hein, comme dirait Spinoza, et qu'il faut s'en écarter. Et bon, évidemment, c'est un postulat d'un optimisme absolument, comment dire, inédit, mais le désespoir n'empêche pas l'optimisme. Et voilà, c'est aussi pour ça que finalement, et d'ailleurs on le voit quand il a réussi à s'échapper, et malgré toutes les humiliations qu'il a pu subir, il a compris en fait qu'il était en train d'être transformé en esclave. Il comprend très bien ce qui lui arrive. Il voit bien la méchanceté du monde, il voit bien l'agressivité dont il est l'objet, quand il est le type qui lui casse la gueule avec son chien, etc. Mais ça n'entame pas sa profonde bienveillance envers le monde, en fait. Et ça, c'est évidemment une posture éthique que j'adopte. C'est parce que je considère que si des machines doivent nous suppléer, ou du moins nous assister, il faut qu'elles soient dotées d'un sens éthique absolument irréprochable. Voilà, c'est okay. La proposition que je fais. Ok. Jean-Marc, vous avez une question ou je peux continuer ou... Il faut mettre votre micro, je crois qu'il parle. Mais oui, il faut peut-être que je mette mon micro. Ah oui. Merci Isabelle. Oui, j'avais une question, effectivement. Oui, pour Isabelle, donc, oui, visiblement, votre thème, c'est la solitude contemporaine. Ça, c'est clair. Et Tim, votre personnage de Tim, incroyablement seul, pas d'amis, pas d'amour, hein, ou des amours vraiment tout à fait insatisfaisantes. Et le robot comme substitut des amis, et il est relié lui-même à un autre type de solitude, la solitude de Izumi, le japonais, qui lui connaît une solitude heureuse, paradoxalement, au cœur de la zone irradiée de Fukushima. Enfin bon, c'est une solitude absolument paradoxale. Et je me demandais comment, à propos du robot, comment traiter de cette solitude à propos de ce personnage de robot qui m'intrigue vraiment. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que le type de narration que vous utilisez, c'est un type de narration omnisciente, hein, bon, assez classique. Et comment être un narrateur omniscient avec un robot? Bon, la manière dont vous nous le présentez, et comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression d'un enfant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de distance entre le narrateur omniscient quand il traite de Tim et le narrateur omniscient quand il traite du robot. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la manière dont un narrateur omniscient pouvait entrer dans, pas l'esprit d'un robot, mais le mécanisme d'un robot? Mais pour moi, ça ne fait pas de différence. En tant que romancière, je connais intimement mon personnage. Je connais aussi bien mon robot que mon personnage de Tim. Donc, je sais exactement ce qu'est ce robot. Je sais exactement ce que je veux qu'il soit aussi. Après, on est toujours surpris. Les personnages prennent parfois, vous savez, le romancier dit toujours ça, et on croit que c'est une vue d'esprit ou une posture, mais pas du tout. Au fur et à mesure, c'est des mois de travail, un roman. Au fur et à mesure que vous avancez, le personnage prend une épaisseur et il prend, si ce n'est une autonomie, du moins une forme de compagnonnage avec vous. Et il en a été de même pour Tim. Bon, au passage, vous remarquerez que Tim en anglais, c'est comme une équipe. Hein. Donc c'est aussi que je m'amuse aussi à semer plein de petits jeux, de mots comme ça. Today, pour moi, c'est vraiment le personnage en devenir. Qu'il soit un robot n'a pas tellement d'importance. En fait, la seule chose qui est différente avec lui, c'est qu'il expérimente les émotions sans les connaître et sans les ressentir. C'est-à-dire qu'à un moment, la mère de... Il va déjeuner chez les parents de... J'allais dire chez ses beaux-parents. Il va déjeuner chez les parents de Tim et il lui raconte un peu son histoire. Et la maman lui dit, mais tu as dû avoir peur.
Et il dit, ah oui. Et elle dit, mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est que la peur? Il dit, oui, je sais, bien sûr, mais je ne sais pas quand je dois la ressentir. Et c'est une façon, évidemment, par ce dialogue comme ça, qui apparaît anodin, de dire au lecteur, attention, tout est faux. En réalité, tout est programmé. Certes, il essaye de s'émanciper de son programme, fait avec des mathématiques, etc. Mais en réalité, il n'éprouve pas de sensations. Il calque finalement son comportement sur ce qu'il croit être une forme d'humanité. Et finalement, ça, ce qui m'intéresse par rapport à justement le transhumanisme qui cherche à ce que l'homme devienne une sorte d'homme mécanique, d'homme augmenté par la machine, par les prothèses, comme l'a très bien dit Paul Laurent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le robot qui n'est qu'une prothèse cherche à acquérir ces choses aussi impalpables que la peur, le doute. Mais là, vous parlez de l'autisme. Hein? Oui, je parle de l'autisme, oui, c'est vrai. Mais bon, il y a aussi, Tim est un autiste. Tim est clairement un autiste. Hein. C'est, ouais, je ne l'ai pas inventé, hein. J'en ai à la maison. Alors, c'est peut-être pas des autistes très gravement atteints, mais je peux le voir à l'œuvre, leur fonctionnement. Et je me suis d'ailleurs beaucoup inspirée de mon fils, pour ne pas le nommer, pour écrire ce personnage. Aussi bien d'ailleurs Tim que Today. En fait, Tim et Today, c'est un peu l'avers d'un même autisme, en réalité. Qui d'ailleurs a aussi ce côté désespérément en quête d'approbation, d'amour, comme les enfants dont parle Jean-Marc Moir. Ouais. C'est un enfant autiste. D'accord. Et on ne va pas raconter la fin du roman. Mais... Voilà, c'est ça. En fait, c'est que... On peut raconter la fin du roman puisqu'il n'y a pas. Comment? Oui, on peut raconter la fin du roman puisqu'il n'y a pas vraiment de fin. C'est une fin ouverte. Oui, mais bon, pour les gens qui s'intéressent à Tim, pour savoir ce qui lui arrive, mais c'est une fin de conte, finalement. Oui, c'est une fin de conte. Mais je ne sais pas, Mara, peut-être vous voulez parler de la fin ou pas. Oui, je voulais juste, Mara. Je voulais rajouter le fait que tous ces romans qui font partie de la fiction post-humaniste se terminent toujours sur cette non-fin. En fait, l'écrivain laisse le lecteur s'interroger, construire son propre imaginaire. Donc, continuer d'une certaine manière la fiction de l'écrivain. Donc, c'est pour cela qu'on ne sait pas ce qui arrive finalement. Oui. Mais alors, d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'à chaque fois que qu'un de mes amis ou une de mes connaissances avait lu mon livre et m'en parlait, je lui disais, comment tu as interprété la fin? Voilà, c'est ça. Et chacun me disait quelque chose de différent. C'était jamais la même. C'était jamais la même fin, jamais la même conclusion. Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature, c'est que vous n'écrivez pas pour vous, vous écrivez en sachant que vous serez lu. Et le lecteur occupe une place non négligeable dans l'interprétation du livre. Et lui aussi est un personnage. Même si vous ne composez pas avec lui, même si vous ne pensez pas au lecteur quand vous écrivez pour être lu. Et ça, c'est quelque chose qui est spectaculaire quand on reçoit les réactions des lecteurs, on voit la manière dont ils ont interprété votre livre est complètement différente de ce que vous avez mis dedans. Ce qui veut dire, un, que vous avez mis beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez, y compris des choses évidemment qui vous échappent totalement, et qu'en même temps, le lecteur y a lui projeté sa conscience, son inconscient, ses propres idées, etc. Et comme en plus, dans mon livre, je demande en permanence au lecteur de réfléchir à sa propre posture, quand je lui délivre une fin qui est une fin ouverte, eh ben, il en arrive à sa conclusion à lui. Donc, pour certains, Tim rejoint Today, pour d'autres, il part dans la forêt, on ne le revoit jamais, pour d'autres encore, une nouvelle vie commence, etc. Donc finalement, c'est une sorte de manière de dire au lecteur, oui, absolument, c'est bien à toi maintenant de te poser ces questions et d'y répondre avec ta propre éthique, tes propres priorités, etc. Donc, c'est un signe supplémentaire qui permet au lecteur de se sentir libre, puisque de toute façon, le thème du livre, c'est aussi l'accès à la liberté et à la liberté de penser, bien sûr. Ok. Je ne sais pas si je peux poser une troisième ou quatrième question, ou si
Si quelqu'un, Jeanne-Marc, si vous avez une question? Non, allez-y, Marc. Ok. Donc, pour moi, les deux romans dont on parle aujourd'hui convoquent une fonction pédagogique et didactique qui est déléguée à un personnage de récit. Justement, le robot Today dans Magique aujourd'hui, qui est tout gentil, tout mignon, on a envie de l'embrasser. Par rapport à cette forme de vie alternative que vous avez conçue dans Contre mes seuls ennemis, sans pourtant lui avoir donné une voix. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes bien consciente, vous avez bien été consciente de cette fonction pédagogique et didactique dans la construction de ces personnages. Oui, ça, c'est mon côté professeur okay. Raté. Enfin, raté. Je pense que j'aurais adoré être professeur et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été, voilà, je me suis isolée dans l'écriture. Mais j'enseigne depuis peu à Sciences Po et je me rends compte à quel point j'adore enseigner. Et c'est vrai que la littérature, même si elle n'a pas cette fonction didactique, elle permet aussi de rentrer en communication. Et je pense que moi, j'ai beaucoup aimé apprendre, j'ai fait de très longues études. Enfin, l'apprentissage est quelque chose qui me passionne et je pense que j'aime aussi apprendre des choses aux gens. Et d'ailleurs... il y a beaucoup d'amis de mes enfants qui viennent souvent en vacances avec nous et qui me disent toujours « Ah, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on apprend toujours plein de choses. » Et je crois qu'en fait, quand j'écris, je ne peux pas m'empêcher de délivrer un certain savoir ou de partager, on va dire, de partager une certaine connaissance que j'ai pu acquérir, voilà, soit par mes études, soit par la réflexion qu'induit le fait d'être écrivain. En fait, écrire, c'est surtout penser. Hein. L'écriture, elle vient après. Voilà. Donc, je n'en suis pas forcément consciente, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Ok, merci. Je pense qu'on a une question. Edouard ? Jean ? Oui, en activant le micro, c'est mieux. Déjà, bonjour et merci aux intervenants. Pour ces deux exposés et discussions. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, notamment Paul-Laurent Hassoun. Enfin, moi, je suis Edouard Klein-Peter, j'ai travaillé il y a quelques années avec Christina Lindenmeyer, que vous connaissez bien. Ben oui. Donc, sur la génésie. Vous avez été associé au séminaire. Oui. Tout à fait. On avait fait en 2016. Voilà. Donc la question que je voudrais poser a trait au langage. En fait, donc vous disiez, Madame Jarry, vous disiez tout à l'heure donc, que votre personnage, le robot, justement, essaie de s'humaniser en acquérant les imperfections. Et notamment, la première chose qu'il veut acquérir, c'est le langage. Parallèlement à ça, donc du côté... psychanalytique, même si c'est pas mon champ de compétence. Moi, j'ai lu des choses sur les questions lacaniennes, notamment liées au langage, c'est-à-dire comme une blessure narcissique fondamentale de l'acquisition, enfin de la perte de contact direct entre l'être, c'est-à-dire le bébé en l'occurrence, et les objets du monde par l'intermédiation d'un langage qui lui est imposé par l'extérieur, puisqu'il l'apprend de ses parents et du monde qui l'entoure. Et donc, par ailleurs, on sait également que dans le discours transhumaniste, il y a une certaine offensive contre le langage, en particulier le symbolique en général. Ça, c'est ce que montre notamment Jean-Michel Beignet, le philosophe. Et voilà, donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre réaction sur cette place du langage qui est quand même particulière, parce qu'on peut penser quand même que donc dans ce désir transhumaniste de potentiellement d'en finir avec le langage, je veux dire, les transhumanistes ont des discours qui consistent à dire que le langage est parasite par rapport à la transmission directe d'informations idéales qui se ferait donc de cerveau à cerveau, hein. Et donc cette offensive donc permettrait, dans une perspective lacanienne, je veux dire, de se rapprocher de l'objet, donc un peu de guérir cette blessure fondationnelle. Mais néanmoins, les objets techniques émergent toujours du langage, puisqu'il y a toujours une connaissance humaine
qui a été à un moment théorisée et mise en mots pour permettre à ces objets d'émerger. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, c'est un peu une réflexion qui est en cours chez moi et sur laquelle j'aimerais bien avoir votre sentiment. Je peux commencer peut-être avant de laisser Paul Laurent, parce que lui, il a sûrement des choses beaucoup plus proches de vos questionnements. Mais je sais. Alors, Tim, le personnage qui donc vit avec Today, il lui lit beaucoup de poésie. Et d'ailleurs, il y a souvent des poètes dans mes livres, et la poésie, le langage poétique, encore plus que romanesque, hein, a énormément d'importance à mes yeux, puisque c'est vraiment peut-être le fondement du langage, hein, la poésie. Et en fait, Tim apprend, enfin, lit de la poésie et la lit à son robot. Et je pense que dans son idée, en lui injectant cette matière poétique, il va l'initier à la quintessence du langage. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Et d'ailleurs, Today a si bien incorporé la leçon, il se met à lui-même parler d'une manière poétique et à repérer les formes poétiques du monde, y compris évidemment les haïkus de la poésie japonaise dans cet énoncé de thèse. Donc je crois qu'en fait, contrairement à la visée transhumaniste qui consiste à supprimer le langage, je pense qu'il faut non seulement pas le supprimer, mais même en renforcer la portée en allant chercher vraiment dans sa dimension la plus, la plus essentielle, hein, qui est la poésie, qui est vraiment, c'est encore au-delà de la littérature romanesque. Hein. On ne peut que s'incliner devant la poésie. C'est vraiment le langage peut-être porté à sa dimension la plus élevée. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait de la poésie dans le discours tenu à la fois par le robot et par Tim, c'est aussi un signe, c'est-à-dire c'est une manière. Tout est subliminal dans le roman, c'est-à-dire que dans le roman en général, hein, je pense que les romanciers parlent à l'inconscient autant qu'à la conscience. Mmh. En fait, il y a énormément, et d'ailleurs, moi-même, je me rends compte que c'est peut-être de l'inconscient de l'auteur à l'inconscient des lecteurs, je ne sais pas comment l'alchimie se fait, mais je me rends compte à quel point je mets dans mes livres beaucoup plus que ce que je n'ai cru y mettre, et c'est les lecteurs qui me le renvoient, et c'est vrai que quand j'écris quelque chose, ça a toujours un sens. Je ne mets jamais rien qui n'est pas derrière un métadiscours qui va être entendu par le lecteur à son insu. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle petite scène qui va intervenir et qui a l'air comme ça insignifiante dit quelque chose qui agit sur l'expérience sensible du lecteur et sur sa propre appréhension du monde, appréhension au sens général du terme. Voilà, donc c'est sûr que quand on introduit de la poésie, on dit tout de suite quel est le rapport qu'on entretient avec la langue et comment on envisage évidemment cette expression orale qui nous rend si humains. Voilà. Moi, ce que je voulais dire juste très rapidement, je ne vais pas exposer le langage chez Lacan, non, mais par contre, en rapport avec la question qui a été posée, il faut rappeler qu'il y a dans le larynx du nourrisson qui naît, l'ensemble des phonèmes, toutes les possibilités. Voilà, le bébé parle toutes les langues. Plus exactement, il a les matériaux. Et puis, ce qui se passe, c'est que, heureusement pour lui, d'ailleurs, on lui enseigne la langue maternelle et on réduit. C'est une catastrophe dans les phonèmes. 80%. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir de là, Lacan en tire d'ailleurs joliment cette idée. L'enfant demande pourquoi, tout le temps, on le sait à un certain moment de sa vie, on peut dire parce qu'il est très curieux, pas seulement. Il met ça en rapport avec le fait, le vrai pourquoi, c'est pourquoi tu m'as imposé tes mots. Ce qui explique que l'enfant est d'un certain point de vue, il est essentiel qu'il soit dans le langage, bien sûr. Mais en même temps, il y a une intrusion, il y a un appauvrissement par rapport à cette richesse des phonèmes, de telle sorte que c'est cette violence qui fait que, d'une certaine manière, c'est pour ça que la langue de l'adulte et de l'enfant sont séparées. Il y a un texte de Ferenczi, psychanalyste, qui met l'accent sur ce dialogue de sourds. Voilà. Bien entendu, c'est pas du tout. Voilà, ça me paraît extrêmement intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas, il me semble, je n'ai pas lu le roman, mais il me semble que
Il doit y avoir quand même quelque chose comme ça aussi, parce que... Toudé parle toutes les langues. Ah oui, voilà. Il parle toutes les langues. Et d'ailleurs, quand il, quand il soutient la thèse, il parle au jury de textes d'Izumi, qui ont été donc écrits en japonais, et il dit « Ah si, si, je sais, c'est moi qui les traduis. » Et il y avait même parfois des petites notes dans la marge, et c'était toujours très intéressant. Et l'un des jurys lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y avait de si intéressant ?» Et là, il dit « C'était souvent de la poésie. » Vous savez que, tout derrière moi, vous savez que ces phonèmes, pas d'après Lacan, d'après les linguistes, se maintiennent toute la vie. Et l'idée, c'est que dans certaines expériences limites, on réemploie des phonèmes qu'on avait à sa disposition, bébé, ce qui fait que ça reste mystérieusement, alors là, je demande à voir, mais enfin, ça reste engrammé. Ce qui fait qu'on reste polyglotte plus qu'on ne le croit. Enfin, c'est vrai. Mais je suis sûr que toutes ces questions hantent votre texte. Si vous... Oui, je crois aussi. Ben, vous savez, c'est quand même la matière première de l'écrivain, le langage, les mots, le langage et les sons aussi. Moi, je suis très sensible. Enfin, il y a toujours beaucoup de musique dans mes livres. Bon, dans le Magique aujourd'hui, c'est le Faust de Gounod, hein. Et c'est pareil, ça n'est qu'après avoir... chacun de mes livres est, comment on dit, parrainé par une musique particulière que j'écoute en boucle pendant toute l'écriture du livre. Et là, j'écoutais le Faust. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai compris que c'était cet opéra, et pas, non, j'écoutais pas Mozart, j'écoutais le Faust, qui est quand même... c'est pas anodin, quoi. Et la musique est très présente dans le roman... Et donc Tim, dans cette grande solitude, découvre une discothèque où il écoute de la musique. Le petit robot se passe en permanence des musiques que Tim aimait écouter et qu'il rejoue pour se souvenir de sa présence. Hein. La musique a une portée émotionnelle extrêmement grande. Hein. Il suffit qu'on réentende une musique qu'on a écoutée dans un moment heureux ou malheureux de sa vie pour qu'immédiatement les émotions rejaillissent absolument intactes. Donc la musique est aussi un langage. Et ça, mais c'est un langage que nous avons fabriqué. Enfin, on fait de la musique depuis la préhistoire. On a trouvé dans les grottes qui datent du Magdalénien de 35 000 ans avant notre ère des petites flûtes en os de vautour. Donc on sait qu'au tout début de l'humanité, on a déjà fait de la musique. Et la musique, c'est quelque chose qui nous relie au cosmos, en fait. C'est d'ailleurs pas anodin quand on sait que dans les grottes, et comme celle de Lascaux, par exemple, on commence à comprendre que tous les dessins de points qui se sont figurés sur les parois, en dehors des grands animaux qui sont si, si magnifiquement représentés, seraient une sorte de cosmogonie du ciel, qu'évidemment les préhistoriques regardaient, puisqu'ils dormaient beaucoup dehors et qu'ils avaient tout loisir d'admirer le ciel. On l'a remarqué aussi chez les Dogons, hein, qui avaient déjà figuré des constellations qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'elles ont... c'est vraiment très intéressant, cette histoire. Paul Laurent parlait d'astrophysique. Donc, on sait aujourd'hui que les hommes préhistoriques ont associé la représentation que nous livre la voûte céleste, hein, à une cosmogonie des étoiles. Bon, voilà, même si pour eux, elles devaient représenter autre chose, et qu'ils l'ont associé, parce qu'on trouve dans ces grottes toujours des instruments de musique. Donc, il y avait forcément un lien entre la musique et le cosmos, et cette manière si particulière qu'a la musique de nous élever aussi, d'emporter quelque chose d'extrêmement animé, au sens de l'âme, hein, à l'anima, au sens latin du terme. Donc ça, je pense que musique, poésie, langage et symbolie et sémantique, hein, c'est vraiment des choses qui sont étroitement associées. Enfin, moi, je tricote tout ça en permanence dans mes livres. Merci. Je ne sais pas si je peux vous poser encore une question ou si Jean-Marc m'aura encore une deuxième ou troisième question. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Jean-Marc? Je disais, Mara, je me disais, vous pouvez y aller. Vous pouvez poser votre question. Bon, merci. Je trouve dans vos deux romans une forte intertextualité littéraire et scientifique qui fait appel d'une part à des textes empruntés à la bibliothèque mythique, fantastique, dystopique, gothique,
qui a une fonction d'alerte ou de résistance, et d'autre part, une littérature de qualité qui propose une pensée humaniste et des valeurs humaines qu'il s'agit de préserver. Donc, pouvez-vous préciser pour nous les lectures qui vous ont accompagné justement dans la construction de ces deux romans, à part évidemment votre formation de biologiste qu'on voit très bien dans Contre Messieurs l'ennemi. Je me suis beaucoup intéressée à ça c'était entre les deux romans. En fait, ce qui a présidé à la naissance de Contre mes seuls ennemis, bon, c'est un travail que j'avais fait avec des membres d'un laboratoire. Ça ne devait pas du tout déboucher sur un roman, et c'est finalement ce qui est arrivé. Mais j'avais écrit juste avant un essai sur George Orwell, dont vous avez parlé dans votre présentation. Et cet essai est paru pour les 100 ans de la naissance d'Orwell, qui est né en 1903. Donc c'est paru en 2003. Et c'était censé être un texte plus ou moins biographique. Enfin bon, vous savez, les Français ne sont pas très curieux de la littérature étrangère, et en tout cas britannique. Il est peu connu, Orwell, en fait. Bon, bien sûr, 1984, mais à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, il y avait encore beaucoup de ses livres qui n'avaient pas été traduits, et entre autres ses essais. Et il a écrit des essais sur la langue absolument passionnants, sur la langue telle qu'elle est utilisée justement par les totalitarismes. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, qui a été une commande de mon éditeur, ce n'était pas à mon initiative, je le précise, parce que ça a son importance. Et en fait, j'ai tout de suite trouvé la magnifique biographie d'Orwell que lui a consacrée un auteur britannique, qui s'appelle Bernard Crick, qui s'appelle George Orwell, Une vie. Et on ne peut pas dépasser ça, quoi. C'est un ouvrage extraordinaire, c'est parfait, c'est la parfaite biographie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne soit pas une biographie et qui en même temps permette aux gens de découvrir Orwell et sa pensée. Et j'ai eu l'idée, puisque je suis romancière, d'utiliser la même optique qu'Orwell quand il a écrit 1984, donc de faire une sorte de satire, puisque Orwell définissait son roman comme une satire, et de faire une sorte d'abécédaire avec des mots que j'ai évidemment inventés, et dont je donnais la définition sous forme d'une petite nouvelle. Donc il y en avait 26, et c'était évidemment à chaque fois l'occasion de traiter d'une question de société. Alors, ça pouvait être les migrants, ça pouvait être la sexualité, le téléphone, etc., etc. Et à chaque l'argent, l'économie, et à chaque thématique, il y avait un petit chapitre qui dévoilait une facette de la vie d'Orwell. Voilà. Et à la fin, ça faisait un livre complètement hybride. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces petites nouvelles d'anticipation. Je n'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette comme genre. Et c'est là que je me suis intéressée à la littérature d'anticipation et que j'ai commencé. J'en avais lu déjà, mais là, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est une très bonne manière, en fait, d'appréhender les problèmes du présent et les questions sociétales, tout en prenant une certaine distance. Et en même temps, ça offre une liberté totale à l'imagination, puisqu'on est dans le futur. Donc ça, tout d'un coup, j'ai perçu, en le faisant, l'intérêt prodigieux sur le plan littéraire qu'il y avait à utiliser ce mode de narration, et ce genre-là, ce genre littéraire. Et donc, j'ai écrit à la suite de ça, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire Contre mes seuls ennemis. Et puis, à la suite de ce travail, j'ai été contactée par un chercheur qui est un historien des sciences et qui m'a proposé de travailler avec lui sur cette idée de la machine et du progrès dans la littérature romanesque. Et donc, on a avancé, mais bon, il se trouve que ça n'a pas donné lieu à une publication, à mon grand regret d'ailleurs, mais j'ai relu cette occasion, tout un corpus de Frankenstein à Huxley, en passant par énormément de, y compris La Montagne Magique, hein, qui traite de la médecine à sa manière. Donc, beaucoup d'auteurs, évidemment, Garpeau, etc. Et puis aussi, je me suis intéressée à la manière dont les auteurs français, comme Baudelaire, par exemple, qui avait une vision extrêmement sombre du progrès, et même Jules Verne, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le premier roman de Jules Verne, qui a été
n'a pas été publié par son éditeur futur, s'appelait Paris au XXe siècle, et c'était une dystopie absolument terrible, d'une noirceur épouvantable, où Jules Verne raconte l'histoire d'un jeune poète qui se retrouve au XXe siècle dans un monde totalement déshumanisé, et ça se termine très mal. Donc c'est une vision extrêmement sombre de la société future, et justement, et j'ai trouvé que c'était intéressant que Jules Verne, qu'on associe à un auteur qui a toujours fait la promotion des découvertes scientifiques, etc., ça a été son premier roman. Son premier texte, c'était ce texte tellement sombre, tellement désabusé, tellement terrifiant, avec une vision d'une noirceur totalement inattendue. Donc j'ai lu énormément de choses comme ça, et finalement, ce qui m'a... Et puis j'ai relu tout Asimov et la science-fiction des années 50, qui traduit un intérêt pour... C'est quand même très particulier. L'Amérique s'engage dans la conquête de la Lune, et les écrivains s'engouffrent dans ce fol espoir que, oui, ça y est, on va y arriver, on va coloniser l'espace, on va devenir les maîtres du monde, enfin, grâce à la technique. Et tous les écrivains de science-fiction, mais même ceux finalement qui ont écrit des dystopies, hein, je pense à Soleil Vert, etc., ont travaillé avec, en arrière-fond inconscient, ce rêve qui leur était promis par le politique, de maîtriser l'espace, de maîtriser la vie, de maîtriser tout, en fait. Et c'est complètement tombé quand on a... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la figure de l'androïde est aussi tombée. Quand ce soufflet s'est dégonflé, quand on a compris que ben non, c'était beaucoup plus compliqué que ça, qu'on n'avait pas forcément à trouver, enfin, qu'on n'allait pas forcément coloniser l'espace, qu'on n'allait pas devenir les maîtres de l'univers, la figure de l'androïde en tant que robot de forme humaine a totalement disparu. Et c'est assez spectaculaire d'ailleurs. Pour revenir en force, d'une manière inattendue, au début des années 2000, où là, les laboratoires de recherche se sont mis à faire des machines de forme humaine. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion dans Squeak le robot, qui est un petit livre pour enfants, et aussi dans Magique aujourd'hui, sur la forme du robot. Et un des personnages dit, mais vous savez, si ce robot avait la forme d'un grille-pain, vous ne le considéreriez pas du tout de la même manière. C'est parce qu'il a forme humaine que vous lui donnez des caractéristiques qui vous ressemblent. Mais en réalité, on a tort de faire des androïdes qui ont forme humaine. Donc c'est aussi toute cette réflexion sur le double, l'altérité mécanique, etc., qui m'a intéressée. Voilà, et puis vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous regardez Star Wars, et puis à un moment, vous vous mettez devant votre cahier, et puis vous faites votre propre cuisine de tout ça. Je peux dire un mot juste sur le double. Ce qui est très, très important, ce qui a été montré par Lacan, avant même qu'il soit d'ailleurs lacanien, enfin, c'est qu'entre 6 et 18 mois se constitue l'image de soi, hein, dans le miroir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spéculaire, spéculum, miroir. Voilà. Donc ça me paraît très, très important là, ce qu'il dit, c'est-à-dire que le robot est anthropomorphique, littéralement anthropomorphique. Exactement. Voilà, donc je rêve avec le robot, ceux qui sont hein, dans le désir robotique, justement de retrouver un double, et c'est, alors que ça paraît un renouvellement total du spéculaire, c'est un retour. C'est un retour. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'histoire du fait qu'il est, il n'est pas simplement grossièrement ressemblant à l'humain. L'humain lui-même a un côté robotisé qui fait que, bon, alors c'est évidemment toute l'histoire du double, c'est-à-dire. Mais un sujet qui est. Ça me fait penser à vos personnages dont on disait, ils sont célibataires ou non, ou seuls. Mais quand on est seul, on n'est jamais seul, on est hanté par son double. Là, c'est extrêmement important. Les sujets qui sont solitaires, et voilà, ils ont en permanence cette idée, je me promène, oui, mais c'est moi qui me promène, on est tous des Robinson. Hein, voilà. Et c'est pour ça que les sujets, à terme, finissent par dire, oui, mais je dors, je couche, mais je couche avec moi. Le problème de la solitude, c'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est que je suis envahi par mon double. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. Si j'ai un androïde à côté de moi, voilà. Ou alors, c'est certaines personnes âgées ou autres qui peuvent avoir un chien pour parler à quelqu'un. Voilà. Mais par contre, le double est toujours persécutif. Bon, c'est très net, c'est du psychotique, mais c'est vraiment cette dimension-là. Dans quelle mesure la machine n'est pas un produit, une prothèse spéculaire ?
Mais bien sûr, puis vous savez, il y a d'une manière encore une fois très subliminale dans mon roman, il est question de la théorie des neurones miroirs, que vous connaissez sûrement, qui est l'idée que nos neurones entrent en contact avec les neurones de notre double ou de notre interlocuteur, et c'est ce qui provoque l'empathie. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe, vous tombez. Quand quelqu'un tombe devant vous, se casse la gueule, c'est vous qui tombez. En fait, ça fait écho à votre expérience de la chute et éventuellement de la souffrance. Et c'est comme ça, en fait, que se tisse le lien social et qu'on fait société. Ça, c'est des neurologues qui l'ont mis en évidence et c'est très spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'utilise un des personnages du roman dans cette campagne perdue où a échoué Tim pour retrouver Today. Mais ne lui dit pas. Ne lui dit pas qu'il utilise, en fait, cette formule des neurones miroirs, il le localise en fait. Et bon, je sais que mon éditeur voulait toujours que j'explique les choses un peu mieux. Donc vous voyez, Mara, vous trouvez que je suis didactique, et bien certains pensent que je ne le suis pas encore assez. Mais je ne voulais pas parler directement de cette expérience des neurones miroirs parce que justement, je ne voulais pas faire un livre scientifique, mais je trouve que ça répond exactement à cette question qui est soulevée par Paul Laurent. Du double, de nous-mêmes, de cette connexion inconsciente qu'on introduit avec tout être humain qui, à la fois, voilà, c'est je est un autre, c'est vraiment des questions. On sentir uniquement, et je finis avec ça, mais c'est tellement important, par l'identification. C'est parce que l'enfant est dans le miroir, il est embarrassé par son double, mais en même temps, il jubile. Hein. C'est le bonheur total, mais ils jubilent, sauf chez certains sujets qui ont des problèmes là, au niveau d'étreindre leur image, si je peux dire. Mais Lacan note bien qu'il y a beaucoup plus tard d'ailleurs, qu'à ce moment-là, il prend l'autre à témoin. Comment traduire? Il ne parle pas encore. Donc le spéculaire est pré-langagé. Et donc, c'est comme s'il attendait que l'autre, pas le petit autre qui est dans le miroir, lui garantisse son image. Sinon, il ne peut pas se reconnaître durablement. Mais vous avez prononcé le mot, l'identification, c'est exactement ce qu'on fait quand on lit. Quand on lit un roman, c'est un processus d'identification. Le lecteur s'identifie à l'un ou à tous les personnages, peu importe. Forcément, il est obligé de s'identifier parce que le romancier lui propose un récit, mais ce récit, c'est un réceptacle. Ça n'est pas quelque chose de plein. Encore une fois, on revient à l'idée de la coquille vide. Hein. C'est une histoire. Une histoire, ça n'est qu'une forme. Ça n'est pas un plein. C'est une proposition qui est à remplir. Le lecteur remplit cette enveloppe, qui évidemment est hérissée de sens, hein, bien sûr. Mais c'est une enveloppe où il reste de la place pour lui. Et c'est par l'identification qu'il prend cette place. Et ça rebondit encore, on n'en finira pas. L'identification imaginaire et l'identification symbolique. Dans l'identification imaginaire, je cherche narcissiquement son double, tandis que dans l'identification symbolique, il faut autre chose. Par exemple, un père, pas au sens où ça serait patriarcal, contrairement à ce qu'on pense, mais quelqu'un qui est à l'extérieur du miroir. Sinon, on est aliéné dans son miroir. C'est pour ça que je trouve que le transhumanisme est vraiment, d'une certaine manière, une régression imaginaire. Il n'y a plus que des monades isolées qui tous sont robotisées. Alors que quand je dirais, le père au-delà, le grand hôte du langage, quoi. Oui, le père, le frère, l'amant, l'ami, oui, l'autre, quoi. C'est aussi ça déborde de partout, quoi. Oui, si je peux faire un commentaire, Mara. Oui, oui, un peu, plusieurs commentaires d'ailleurs. D'abord sur les neurones miroirs, Isabelle. Donc les neurones qui, si on vous sourit, ça tend à vous faire sourire, etc. Ça doit expliquer pourquoi nous avons tous l'air déprimés quand nous regardons un écran comme en ce moment. Parce qu'effectivement, ça n'est pas quelque chose de véritablement réjouissant. Mais bon, oui, d'abord sur ce qu'a dit Paul Laurent, oui, le fait de se projeter dans le robot, effectivement. Et il y a une nouvelle de Philip K. Dick que vous connaissez peut-être, « Do Androids Dream of Sheep ?» qui est à l'origine du film « Blade Runner ». Où on prête même aux robots, on leur prête un inconscient, on se projette en eux, on leur prête un inconscient via leur rêve, et on essaye à partir de là de construire un robot absolument parfait, tellement parfait d'ailleurs qu'il va tuer son père, bon, et puis, etc. etc. Enfin, vous connaissez probablement le film Blade Runner. Les robots, c'est
formidable. Mais oui, exactement. Et vous, Isabelle, donc vous avez, oui, Paul-Laurent aussi, sur la finitude, il faudrait peut-être demander à notre ami transhumaniste, je n'ai pas l'impression que les transhumanistes nient la finitude, il s'agit juste de se prolonger, mais même une machine, à un moment, elle s'épuise. Et même une prothèse, à un moment, elle connaît la finitude. Donc, je ne pense pas que ce soit... Il y a un rapport à la finitude qui soit au-delà du rapport de l'idéologie du progrès propre à l'Occident. Et puis, donc, dernière remarque pour Isabelle. Oui, vous avez réussi à construire un roman d'anticipation qui n'est pas une dystopie. La dystopie, c'est un genre qui est profondément anglophone, hein, depuis Mary Shelley, Howell, Burgess dans Orange Mécanique, Gibson récemment, etc. etc. Et il y a peut-être une veine française qui justement évite cette veine dystopique. Alors vous nous parliez de Jules Verne, mais précisément son roman n'a pas été publié à Jules Verne. Et il y a plutôt une veine française d'anticipation qui ne correspondrait pas à cette dystopie, qui est quelque chose, alors pour des raisons qu'il faudrait explorer, je ne sais pas pourquoi, mais qui est vraiment quelque chose de typiquement anglophone. Et les deux grandes dystopies du XXe siècle qu'on cite toujours, c'est Orwell et Huxley. Mais je pense que Burgess, dans Orange Mécanique, atteint également ce degré de profondeur littéraire. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez réussi à bâtir quelque chose, une anticipation qui ne soit pas une dystopie. En fait, je ne voulais absolument pas écrire une dystopie parce que je ne voulais pas plonger le lecteur dans une sidération cauchemardesque, parce que je voulais lui conserver intactes ses capacités de réflexion. Donc, je ne voulais pas que la noirceur de la thématique soit répulsive d'une certaine manière et soit même invalidante. Et donc, c'est un livre qui, finalement, apparaît assez léger, assez facile à lire, assez même réjouissant par moments. Il y a des passages très drôles. Et en fait, comment dire, ce n'est pas une manière d'endormir le lecteur, mais lui proposer une vision plus optimiste ou plus encourageante, c'est aussi une manière de le convoquer à réfléchir sereinement, en disant, bon, on n'est pas en train de dire que tout va s'écrouler, mais quand même, on ne peut pas avancer sans réfléchir. On ne peut pas concevoir indéfiniment des machines qui risquent de nous dépasser. Donc, réfléchissons à ce qu'on veut en faire, mais réfléchissons sans angoisse, si c'est possible. Évidemment, étant moi-même quelqu'un de profondément névrosé et angoissé, j'ai besoin d'introduire un cadre plutôt serein pour conduire ma réflexion. Et je pense que c'est aussi un contre-pied vis-à-vis qui plonge le lecteur dans une angoisse encore plus grande, quoi. On le voit d'ailleurs en ce moment avec la pandémie, c'est une recrudescence de pensées anxieuses et dès que le futur paraît comme ça complètement incontrôlable, extrêmement flou, ça génère beaucoup d'angoisse. Donc ça m'intéressait aussi d'avoir une pensée plus positive vis-à-vis des technologies qui évidemment prennent de plus en plus de place, et je trouvais plus intéressant d'adopter une attitude bienveillante, mais critique, plutôt qu'un refus catégorique de ce qu'on peut appeler le progrès, on va dire les avancées technologiques, voilà, sans porter de jugement moral. Voilà. Donc oui, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais moi c'est quelque chose, et je l'ai fait aussi avec « Contre mes seuls ennemis », où il y a des scènes qui sont franchement hilarantes, avec les plantes qui prennent des... Enfin, voilà, je voulais vraiment que les gens rigolent, mais finalement, au bout du compte, ils aient quand même une matière à réfléchir intelligemment. Voilà. OK. Si vous avez des questions, on est toujours là. Sinon, je vais faire un commentaire et peut-être qu'on va s'arrêter. J'ai été interpellé directement par Jean-Marc. Oui. Donc pour répondre, oui, je suis d'accord. La question de dire les transhumanistes rejettent et balayent la finitude, de même que peut-être ils balayeraient le langage et l'altérité, je trouve effectivement que c'est très exagéré. Alors peut-être ça existe un petit peu, peut-être chez Kurzweil, sur sa sixième étape de l'histoire de l'univers. Mais en tout cas en France, et chez beaucoup de transhumanistes, on est effectivement beaucoup plus modeste. L'idée, c'est de dire que
Est-ce que finalement, la mort est la forme ultime nécessaire et la forme, je dirais, canonique de la finitude? Peut-être pas, mais en étant même moins ambitieux, est-ce que certaines maladies, est-ce que les aspects les plus dramatiquement mutilants des accidents du corps sont des formes nécessaires et à valoriser de la finitude? Je ne pense pas. Je crois qu'on est plutôt dans une réflexion sur quel est un travail sur justement les limitations qu'on peut avoir, notamment dans le biologique. Alors après, il y a cette question de la mort, effectivement, qui est très importante chez les transhumanistes, mais avec cette conviction qu'il y a des formes de finitude, évidemment, qui ne sont pas nécessairement liées à la mort, mais c'est d'autres formes de limitations, notamment par rapport à l'autre, et par rapport au simple fait qu'on existe dans le temps et dans l'espace, et que du coup, il est très difficile d'être à deux endroits en même temps. Ça serait une façon de contredire le principe de tiers exclu, quoi. Ça veut dire qu'on pourrait être à la fois deux choses en même temps et sous le même rapport, et ça paraît difficilement pensable, même pour un transhumaniste. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Vous permettez de vous définir, alors que c'est bien ambitieux. Moi, ce que j'entends, c'est un humaniste de sensibilité transhumaniste. Moi, ce que j'ai lu, c'est autre chose. Autre chose. Et je pense qu'il y a quelque chose de très profond. Le postulat de la finitude, ce n'est pas simplement que ça soit long ou court. C'est que toute l'anthropologie des Lumières repose sur la finitude comme principe du progrès, alors qu'il y a toute une théorie du franchissement qui fait un surévolutionnisme. Je vous parle de la doctrine transhumaniste telle qu'on la lit dans les textes. Hein. Je pense que c'est très varié d'après la sensibilité du transhumanisme. Hein. Mais par contre, c'est extrêmement important, ça, parce que du coup, l'idée, c'est que la mort est entièrement repensée dans le transhumanisme. Ça me paraît très très important. C'est-à-dire que c'est pas que les transhumanistes pensent à éterniser l'homme, c'est pas si radical que ça, mais il n'empêche que toute la fonction de la mort, ça nous mènerait loin, mais tout le fait que je ne peux désirer que si je me suis mortel, voilà. C'est par exemple faire une analyse, c'est pas de la métaphysique, mais indéniablement. Freud dit qu'on ne croit pas à sa propre mort. Hein. On sait qu'on est mortel, mais on n'y croit pas. Et c'est pour ça que nier la mort, exclure la mort des comptes de la vie, c'est céder sur son désir. Je suis désolé, ça paraît un peu crypté, mais c'est extrêmement juste. On pense toujours qu'on peut remettre à plus tard, on peut procrastiner, etc. Et je pense que ce que les gens entendent dans le transhumanisme, c'est précisément une promesse que la mort ne va plus être quelque chose. La mort est très importante pour le sujet. Le fait de se savoir mortel, je vais être moins négligent dans mon désir. Voilà, c'est. Hein. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Pas la mort biologique, mais la façon dont j'inclus la mort. Moi, j'aime beaucoup la formule de Freud. Il dit même dans la facture de la vie. Dans la facture. Voilà. Là, il y aurait effectivement à discuter, oui, entre nous sur la figure de la mort. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'est la mort, et même pour un transhumaniste, est-ce qu'il y a une mort qui ne soit pas une mort biologique dans la pensée transhumaniste, mais qui aurait cette fonction-là? Ça, effectivement, c'est un point important qui se discute. Peut-être pour les écrivains, je ne sais pas, au niveau des années 50, si vous connaissez Clifford Sima, qui est son Demain les chiens. Et oui, c'est il y a cette idée d'un côté d'infinité, puisqu'il y a une explosion des formes de vie, et même des formes de vie qui ne communiquent pas entre elles, qui sont... C'est merveilleux, Clifford Sima. Et en même temps, une finitude, du coup, puisque l'humain, très vite, se disparaît sur Jupiter, mais les formes même des êtres avec une pensée, on va dire, humanoïde, une pensée réfléchie, ce ne sont pas les seuls êtres. Donc, il y a ce double mouvement d'infinitude et de finitude. Vous parlez de Clifford Sima, et c'est vraiment un des rares écrivains qui a exploré, en effet, d'autres formes hein, que les formes humaines. Et pour moi, ça m'intéresse d'autant plus qu'étant biologiste végétale, donc j'ai étudié essentiellement les plantes, qui, elles, ont trouvé une manière de ne pas être... Enfin, il y a une forme d'immortalité chez le végétal. Hein. On a des sujets qui ont 5000 ans, 6000 ans. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui, jusqu'à présent, ont pu vivre aussi longtemps. Donc, il y a une régénérescence du tissu végétal qui est quasiment infinie. Et les plantes ont résolu la question en restant immobiles. Mais voilà, après tout, c'est la seule différence avec nous. Et je pense qu'elles nous sont supérieures en bien des points. Et de toute façon,
elles nous ont préexisté et elles nous survivront, ça c'est certain. Mais le végétal, qui curieusement n'est pas très étudié, on s'intéresse beaucoup à l'animal mais peu au végétal, a résolu cette question de la finitude d'une manière totalement magistrale et avec une inventivité comme seule la nature est capable d'en faire preuve. Ça, c'est totalement stupéfiant. Enfin, Bichat dit que la vie, c'est l'ensemble des forces, des fonctions qui résistent à la mort. On a l'impression que c'est circulaire, mais pas du tout. C'est une géniale modification. Génial, parce qu'on pense que la mort est une interruption de la vie. En ce moment, notre organisme est en train de lutter contre la mort, ce qui fait que la vie n'est qu'une forme réactionnelle à la tentation de mourir. Enfin, voilà, alors ça, bon, ça. Voilà. On a encore une question. Donc, je suis content que ce séminaire vous incite à poser des questions. Il y a encore de débattre autour de la mort. Donc, on est toujours... moi, en tout cas, je suis très contente que vous êtes là, que vous posez des questions, que le thème de ce séminaire vous intéresse. C'est pour ça qu'on l'organise, d'ailleurs. Donc, on a une question de la part de Baptiste. Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi, je m'interroge beaucoup sur la place de l'autre dans la philosophie transhumaniste. C'est-à-dire que, professeur Assoun, vous avez bien montré qu'il y a une certaine visée de l'annihilation, de la castration, qui, effectivement, d'un point de vue analytique, semble assez évidente. Et dans votre premier échange avec M. Balmont, vous avez d'ailleurs posé l'énigme du sexuel dans l'idée transhumaniste. Et ensuite, il y a des idées de télépathie qui ont été invoquées, puis bien plus tard, l'idée de prothèse spéculaire. Ça me donne l'idée que ça commence à aller dans une direction de... au-delà d'une annihilation de la castration, il commence à y avoir une annihilation de l'autre et du rapport à l'autre. Simplement, si ben moi aussi, je suis un autre, du coup, ça veut dire que même le sujet commence à se fondre et à disparaître. Ça commence à devenir très angoissant. Du coup, je m'interroge sur, sur cette place de l'autre et de l'altérité dans l'idéologie transhumaniste. Oui, alors bon, les transhumanistes doivent pouvoir... répondre, peut-être se démarquer, etc. Mais oui, je pense que c'est ce que je dis là, c'est quand même le produit de séminaire, le fait qu'on ait lu les textes, etc. C'est pas un procès d'intention. Mais alors, il faudrait savoir évidemment ce que c'est que l'autre. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'autre ? J'étreins mon être la première fois comme un semblant dans le miroir, mais j'y tiens. Comme dit Borges, je commence à prendre l'habitude d'être un autre jusqu'à la mort. Borges dit « je vais bientôt mourir, je vais perdre l'habitude d'être moi-même en même temps voilà. ». Mais il y a pas seulement le lien social, il y a le symbolique, c'est-à-dire le fait qu'il y a du langage. Voilà. Tant que je suis dans le spéculaire, y compris dans la jalousie. La jalousie est un phénomène largement spéculaire. Saint Augustin lui-même montre qu'il y a un enfant qui regarde son frère de lait. Là. Hein, voilà. Et là, je suis… Lacan appelle ça une autodestruction passionnelle. Il y a tout un aspect de l'imaginaire. Par contre, quand je rentre dans le langage, c'est fini, je perds quelque chose. On l'a dit finalement, chacun de manière, je perds quelque chose, c'est-à-dire je m'aliène à l'autre. Voilà, je m'aliène à l'autre. Mais j'ai le symbolique, j'ai le langage. Et je fais des symptômes. Les symptômes, ce n'est pas comme en médecine une dysfonction, c'est de la parole, c'est un texte, et c'est un réel. Là, il ne faut pas se précipiter pour enlever aux gens leurs symptômes, parce que c'est ce qu'ils ont souvent de plus réel. Voilà. Tout ça, évidemment, on parle de notre champ, mais ça n'est plus à l'ordre du jour dans le transhumanisme, parce que le désir, il me semble, à partir des textes, je suis toujours pris, comment dire, c'est comme si l'humanité, il y a un sentiment d'humanité dans le transhumanisme, mais comme cette humanité du futur va tout ensemble, mais chacun séparé, parce que la fonction de l'altérité n'est pas là, enfin, c'est celle que je viens de définir. Alors, il faudrait que le transhumanisme nous montre son autre. Ça, il ne le montre pas enfin, dans le texte. Voilà. Donc, ce n'est pas un procès d'intention. Moi, j'attends, dès qu'on discute comme ça, moi, j'ai vraiment envie de discuter, en me disant peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu. Hein. Voilà, donc, en même temps, il semble constater que ça va tourner comme ça, voilà, ça va tourner à la dystopie. Et en même temps, comme vous dites, dans son discours, il y a quelque chose de dystopique. Mais voilà, est-ce que après tout, le transhumanisme n'a pas raison, c'est-à-dire qu'on va vers, mais ça c'est de l'apocalypse,
une destruction du rapport au symbolique. Il y a quand même des éléments, pourquoi pas. Après tout, le symbolique, ça a été... Voilà, on ne sait plus ce qu'on dit. Mais ça a été inventé d'une certaine façon. Hein. C'est, le symbolique n'est peut-être pas immortel. Hein. Oui, peut-être. Ah, c'est... Alors c'est ça, mais il faut l'aborder comme ça. Et or, le discours, si vous voulez, moi j'ai eu affaire à des militants transhumanistes. Moi, j'entends ce que vous dites, je n'entends pas le militant transhumaniste, mais quelqu'un qui est intéressé, qui... vous avez fait place au transhumanisme dans votre réflexion, mais c'est parfait. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un ordre de marche. Voilà. Fait que, oui, c'est la question de l'autre. L'autre, il me fait beaucoup de mal. Je suis malade de l'autre. Dans les familles, vraiment, la famille, elle fait pas mal de dégâts. Hein. Mais ceux qui n'ont pas de famille vont beaucoup plus mal. Hein. Voilà. Tout ça est là. Et moi, je les vois plus, les institutions. Où est la famille, où est... Comme si l'homme était une entité plus ou moins robotisée. Qui... Ça serait peut-être une question, là. Pour... Oui, je pense qu'il y a des figures dans le transhumanisme. Il y a sans doute des figures émergentes de l'autre dans le discours. Excusez-moi, vous vouliez parler, Madame Jarry, peut-être ? Non, je vous en prie. Oui, je pense qu'il y a des figures, en tout cas au moins émergentes de l'autre dans les discours transhumanistes. Peut-être qu'on pourrait reprocher, encore une fois, à tous ceux qui s'inspirent de Kurzweil, et je pense quand même en faire partie, enfin, en tout cas j'espère, il y a effectivement cette question de l'annihilation de l'autre ou du refus de l'altérité, notamment dans le bout de son eschatologie, qui rappelle d'ailleurs beaucoup, peut-être, je dirais, ce dieu d'Aristote, une sorte de pensée se pensant elle-même, mais sans altérité. Alors peut-être chez Aristote, il y a ce côté, il y a quand même le sublunaire qui reste de toute éternité, peut-être, mais chez Kurzweil, non, puisqu'il y a une sorte de ces rêveries-là, peut-être, ou ces rêveries plus ou moins religieuses, métaphysiques, sont censées être incarnées et s'incarner dans le monde. D'ailleurs, c'est une des différences peut-être avec la religion, c'est que les promesses transhumanistes, elles sont ici et maintenant, elles sont censées être... discrédité ici et maintenant aussi et pas dans un au-delà. Mais donc cette question, oui, du refus de l'altérité peut-être se pose chez Kurzweil, mais si vous voulez, dans mon texte, c'est sur le troisième chapitre dans la méditation des chiens de paille que vous trouverez sur internet, justement ça parle essentiellement de cette question de l'altérité, parce qu'évidemment c'est un problème chez les transhumanistes, évidemment il y a un soupçon, il y a quelque chose de problématique et de dérangeant dans notre manière d'affronter la question de l'altérité et de l'autre, et également celle de la mort, du coup, et du désir aussi, bien que c'est vrai que là, et de la sexualité, c'est quelque chose qui est très, très secondaire ou qui est, comment dirais-je, traité par-dessus la jambe, si on peut dire, hein, sur l'angle du fun, essentiellement. Hein. Mais j'ai posé cette question, je suis remonté beaucoup plus loin, puisque je me suis servi pour le cadre théorique de la dialectique du même et de l'autre chez Platon. Et je pense que là, c'est assez fertile, en fait, et ça permet aux transhumanistes de... justement de ne pas être naïf par rapport à tous les enjeux de l'altérité et des enjeux de simplement d'existence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui soit du pur autre ou du pur même et qui ne soit pas en même temps un néant et une forme de mort. Donc voilà, je reconnais que ce n'est pas forcément la principale question des transhumanistes, mais elle est là, elle est émergente, et des figures de l'autre sont tout à fait prêtes à émerger et qui soient pour le coup, en rupture radicale avec peut-être les figures de l'autre qui constituent et qui fondent l'humanité. Là, effectivement, je vous rejoins. Il y a peut-être ce côté délirant pour vous, qui est plus assumé pour nous. Mais bon, globalement, on est sur des problématiques beaucoup plus concrètes et moins ambitieuses. Ça reste à prouver. Il aurait fallu vraiment venir au séminaire du CNRS pour présenter votre position, parce que ça nous manquait. Hein. On a dialogué avec les textes. Bon. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou sinon si on peut finaliser cette séance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le transhumanisme, c'est un discours capitaliste qui s'appuie sur le discours de la science pour produire un corps sans sexe. Oui, on vous écoute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un commentaire, en fait. C'est-à-dire que tout est imbriqué. Il y a quand même un aspect très, très capitalisé qui,
je sais pas comment le dire, mais qui est très capitalisé. On doit capitaliser le corps, on doit capitaliser, tout doit être, je sais pas, tout doit être au top, au top, et tout ça par le truchement de la science qui, in fine, n'a rien à voir là-dedans. Enfin, c'est pas qu'elle n'a rien à voir là-dedans, mais je pense pas que la science doit être confondue avec le transhumanisme, et si on n'y prend pas garde, voilà, j'ai l'impression que c'est des discours qui sont séparés, qui en même temps se rapprochent, et que c'est un méli-mélo. Voilà. Je suis pas. Enfin, c'est un, en même temps, la discussion de cet après-midi montre que. Oui, absolument. Non, non, mais bien sûr. C'est en réalité, les questions fondamentales qui sont à l'œuvre, que ce soit dans la littérature de fiction ou dans les réflexions psychanalytiques de Paul Laurent Assoun ou dans celles de M. Frédéric Balmont, finalement, on parle de choses relativement essentielles. Et la manière, ce que vous venez de décrire, c'est une sorte d'extension capitalistique complètement dénuée de sentiments et sensibilités en réalité. Or, je crois qu'on vient d'avoir la preuve qu'on pouvait réfléchir d'une manière plus subtile à ces questions. Et en même temps, c'est intéressant, évidemment, moi je parle pour ma paroisse, c'est intéressant de mettre la littérature en travers de tout ça, parce que la littérature, c'est une sorte d'éponge des problématiques sociétales. Donc, exactement. La littérature, elle parle de ce qui est. Elle parle de, hélas, ce qui est, c'est ça. C'est cette réflexion sur le clonage, sur la PMA, sur toutes ces questions de société qui sont là, sur l'emprise de plus en plus grande des machines dans notre vie, sur les datas qui s'accumulent et dont on ne sait absolument pas ce qu'elles deviennent. Enfin, c'est comme le dit Paul Laurent, c'est le réel, ça. C'est des choses. Oui, bien sûr. C'est vrai que la multiplicité des approches et des théories aussi, bien sûr que le transhumanisme émet des théories comme des sortes de figures de style. C'est cette confrontation finalement qui fait naître, sinon la vérité, du moins la lumière. Il n'y a pas de vérité en réalité, ça les écrivains le savent bien, mais une forme de lumière qui permet d'éclairer. Après, chacun peut avoir des visions divergentes, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec Paul Laurent quand il dit on a envie de discuter avec des gens qui ont des vrais arguments. On a envie d'avoir en face de nous non seulement des théoriciens, mais des théoriciens qui s'ancrent dans une pensée lointaine. Voilà, on va chercher Platon, on va chercher Aristote. On va reculer devant les différents, avec un D, bien sûr. Ça, c'est très important aussi. Sinon, il y a cette idée, justement, en effet, d'un méli-mélo éclectique. Je pense qu'il faut voir les coupures aussi, c'est peut-être ça la fonction de l'idéologie critique au fond de la recherche universitaire. Voilà, c'est... Bon. Mais effectivement, dès qu'on entend l'autre, il y a de la parole. Je trouve quand même que dans le transhumanisme, la parole manque. Le discours, oui. Vous voyez ? Le discours, oui. Mais la parole, le discours, vous voyez, mais j'ai fait un lapsus, il y a un sujet parlant. Mais un discours, oui. Je peux avoir un discours totalement maîtrisé, mais le discours fait barre sur la parole. Ça, c'est un aspect quand même d'analyse. Quoi. Voilà, sinon, il n'y a pas de discours sur le vivant, hein, sinon, ou alors c'est obsessionnel. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose, il me semble, dans la discursivité, parce que c'est ça que je voulais voir, transhumaniste, où on cherche le sujet de la parole. Et la mort même, la mort est la mort d'un sujet. La mort est subjectivée, on ne la voit pas dans le texte. Hein. Alors, je pense qu'il y a des formes radicales, modérées, des formes en discussion, mais il me semble qu'il y a quand même un problème. Quoi. Voilà, mais le séminaire, c'est ça. Bon, je pense qu'on va plutôt finaliser, puisque ça fait déjà 3 heures qu'on est connecté, qu'on est là. Qu'on profite de tout ce qui vient d'être dit, commenté. Donc, il nous reste encore 2 séances, en virtuel ou en présentiel. On décidera en fonction des circonstances. Donc, une 3e séance le 28 janvier.
quand nous allons écouter Jean-Yves Goffi, un nom de référence pour tous ceux qui travaillent sur le transhumanisme, et l'écrivain François-Régis de Guenevaux. Et une quatrième et une dernière séance le 12 février pour écouter Jean-Paul Angélibert, professeur de littérature comparée à l'Université Bordeaux-Montaigne, et l'écrivaine que vous connaissez tous, Anne-Marie Gara. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci à nos deux invités, à Jean-Marc Mourat qui a co-animé cette séance avec moi. Il y a beaucoup de choses à dire. On est content que vous êtes là et on espère pouvoir compter sur vous pour les deux séances qui restent de ce programme. Merci à tous ceux qui étaient derrière leur écran et qu'on n'a pas vu et entendu, juste vu leur petit nom et leur petite pastille sur le côté. Et vraiment un échange pour moi sur la chose même, pas simplement un forum, mais vraiment, je trouve qu'il y a eu réellement une discussion, comme j'avais fait au Maroc, mais sur la chose même. Ça, pour moi, c'est un vrai séminaire. Oui. Sincèrement. Je suis d'accord. Merci à vous deux. C'était vraiment un dialogue et des interventions tout à fait brillantes et intéressantes. Merci et à bientôt donc, pour d'autres épisodes sur le transhumanisme. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À tous. Merci. Au revoir.